émission. Bonsoir tout le monde, bonsoir Oula Hop, bonsoir Dan, merci. Salut Nat. Et donc voilà. Bonsoir Sarah, bonsoir Matt, je recommence. Merci, merci à tous et merci à toi Sarah d'être là. C'est vraiment super d'avoir accepté donc de nous rejoindre pour l'ouverture de cette semaine de l'espace, semaine spatiale. Hein, Matt, je ne sais pas comment on va l'appeler. Mais donc voilà, décollage de Thomas Pesquet. Absolument, absolument. Une excellente semaine qui s'annonce. Et donc... coucou, hein, merci. D'abord, Sarah, c'est le. Je ne sais malheureusement plus à qui on doit remercier ta présence, mais ça fait. On sait que Thomas Pesquet va décoller normalement cette semaine depuis Belle Lurette, et on s'est dit tiens, il faudrait un chouette invité. Alors on parle de Dirk Freimuth ou. Je dis ah, je sais pas. Et en fait, quelqu'un m'a dit il faudrait inviter Sarah Batou. Et donc j'avoue que j'avais jamais entendu ton nom et donc j'ai tapé et donc tout a commencé par un article de l'Écho qui date de 2017. Sarah Batou, la scientifique belge qui prépare la conquête de Mars au pôle sud. Voilà, ah oui. C'est là que ça a commencé. Je l'ai partagé à Raph et qui a dit bah oui, ça c'est vraiment parfait. Et donc voilà. Et puis s'en est suivi un petit tweet et puis Raph me dit ouais, elle m'a pas répondu. Je dis t'as écrit quand hier. Doucement. Et voilà. Et au final, au bout de quelques jours, il y a eu une réponse. Et voilà, c'est là qu'on est, réunis à trois. Et super, super content de te recevoir. Mais alors, d'abord, peut-être que pour les gens dans le chat, peut-être, Sarah, qui es-tu ? Non, pas même pour nous. Hein. Alors, mon nom est Sarah Batou. Je suis responsable d'un laboratoire de recherche. Qui s'occupe principalement d'étudier l'impact des rayonnements sur le corps humain. C'est un laboratoire qu'on appelle un laboratoire de radiobiologie et j'effectue mes recherches au Centre d'études de l'énergie nucléaire, qui est en fait un institut fédéral de recherche. Et donc l'impact des radiations, ça touche pas mal de domaines, de thématiques différentes, et ça va vraiment de la radiothérapie, comment améliorer les traitements de radiothérapie, et bien la recherche spatiale, comment protéger les astronautes par rapport aux missions futures vers la Lune et vers Mars, pour faire court. Ok, et donc dans la relation avec l'espace, la raison pour laquelle tu as mis un pied dans l'espace, c'est donc principalement protéger les astronautes dans le contexte spatial qui est fort chargé en radiation, justement. Exactement, et qui est fort différent de ce qu'on connaît sur Terre, en fait. Les rayonnements cosmiques sont, leurs composantes, leurs caractéristiques sont très différentes, ils sont beaucoup plus nocifs. Les dommages au niveau du corps humain sont beaucoup plus importants. Lorsque les missions s'effectuent dans l'ISS, dans la Station Spatiale Internationale, les doses sont beaucoup plus fortes que sur Terre. Elles sont environ 150 fois plus fortes que sur Terre, où nous sommes protégés par la magnétosphère et par l'atmosphère, par notre atmosphère. Mais pour des missions dans l'espace profond, vers la Lune, vers Mars, certainement, eh bien, ces doses par rapport à la Terre vont être des doses qui sont un facteur 300 jusqu'à un facteur 1000. Donc ces doses d'irradiation sont non seulement beaucoup plus importantes, mais elles sont beaucoup plus nocives en termes de qualité, de leurs caractéristiques, en fait, parce qu'elles vont vraiment engendrer des dommages qui sont très difficiles pour la cellule et pour le corps de l'astronaute à réparer rapidement et de manière sûre. Et donc caractériser ces dommages, ça fait un peu partie de vraiment comprendre quelle est la différence en fait entre la manière dont ces rayons cosmiques vont attaquer les cellules et comment peut-on s'en prémunir. Donc il y a toute une partie, une composante moléculaire, donc comprendre les mécanismes moléculaires qui font que les rayons cosmiques attaquent les cellules d'une certaine manière qui n'est pas la même manière que ce qu'on connaît sur Terre en général, dans les rayonnements sur Terre. Et quels peuvent être les bénéfices éventuels, parce qu'en fait, comprendre comment ces rayonnements impactent la cellule, les cellules humaines, ça permet aussi de pouvoir utiliser certaines de leurs caractéristiques et développer des nouveaux traitements radiothérapeutiques, par exemple. Donc de pouvoir vraiment... Justement, Sarah, on dit Sarah Batou, c'est la dame qui a parlé des rayons cosmiques pour guérir le cancer. Oui, tout à fait. En fait, les rayons cosmiques et le cancer sont finalement relativement... en fait, en termes de recherche de base,
en termes de recherche fondamentale, ce que, en fait, on n'a pas toujours, on s'imagine pas toujours, en fait, l'impact et l'importance, en fait, de la recherche spatiale pour la médecine. Et donc, en comprenant mieux comment la recherche spatiale et comment les rayons cosmiques impactent les cellules, on peut, en fait, développer de meilleurs traitements radiothérapeutiques. Oui. Alors, le truc qui grince, c'est mon fauteuil sur mon plancher. Il va falloir que je règle ça. Donc voilà, ça c'est point. Pardon, sorry Matt. Mais c'est la première fois que ça fait ça. Oui, je ne sais pas, mais voilà, un nouveau problème. J'ai résolu les autres, donc forcément, il y a un nouveau problème qui apparaît. C'est un classique. je suis maudit. Et donc voilà, pardon, désolé pour le break, mais c'était l'occasion de prendre le chat. Donc voilà, kudos pour tes lunettes, Sarah. Merci. Voilà, je ne sais pas si tu as le chat devant les yeux ou pas. Non, je ne le vois pas. Ah ben je voilà, vois ok. Deux, mais ça me suffit, ça me suffit. Comme ça, je... Non, non, il n'y a pas de souci, mais comme ça, je sais si je dois te reporter les messages ou pas. Et alors, mais donc, toi, tu es venu donc à l'espace, parce que c'est une de mes questions, par la recherche, par la radiobiologie, pardon. Oui, tout à fait. Donc, par la recherche sur les radiations. Donc, ça, c'est vraiment l'angle qu'on prend. Mais en fait, on a fortement développé aussi nos activités. Au départ, la toute première expérience spatiale qu'on a fait voler, en fait, c'était lors de la mission en 2002 de Frank De Wien, donc le deuxième astronaute belge, qui a pris une de nos expériences avec lui à bord et qui s'en est occupé pendant 15 jours. Et c'était une expérience de microbiologie. C'était la première expérience qu'on a effectuée au laboratoire et qui vit en fait à comprendre les systèmes de soutien de vie, en fait d'utiliser pour les longues missions vers la Lune, la recherche et le fait de rester dans un habitat lunaire pendant plusieurs mois ou d'aller vers Mars, eh bien, il faut trouver des systèmes qui permettent de recycler un maximum l'urine, les matières fécales, de pouvoir purifier de l'eau, de pouvoir produire de l'oxygène. Et en fait, les bactéries, avec un assemblage, une boucle et des compartiments de bactéries et de plantes, en fait, on arrive à vraiment recycler 90% de la matière qui est recyclable. Et donc, la première expérience qu'on a effectuée, c'était Donc justement l'ISTAT. le cycle n'est pas infini. Il est très fortement prolongé, Oui, exactement. mais il n'est pas infini. Oui, puisqu'en fait, pour aller vers l'ISS, aller vers la Station spatiale internationale, comme il y a un stockage et qu'il y a des vols qui sont relativement réguliers, ça pose pas trop de problèmes. On ne va pas vraiment trop recycler. On recycle un petit peu, mais pas trop trop. Par contre, pour la Lune et vers Mars, en fait, il faudra absolument recycler un maximum puisque chaque kilo qui sera emporté, eh bien, d'abord coûte une fortune et au niveau technologique, ça demande, c'est très extrêmement complexe. Donc chaque kilo qu'on peut épargner, c'est un avantage évidemment. Donc on travaille énormément au niveau de l'Agence spatiale européenne sur ce recyclage et sur cette boucle de soutien de vie qu'on appelle la boucle Mélissa, qui est en fait le projet européen qui viserait à recycler entièrement les urines, les restes de légumes que les astronautes n'auraient pas mangé, puisque dans un légume, on ne sait pas manger 100% de la plante, en fait. Bon, la laitue, par exemple, on peut manger quasi toute la plante, mais il y a d'autres plantes où on ne peut pas manger tout. Et donc, il y a des résidus de ces plantes qu'on pourrait recycler avec différents types de bactéries bien spécifiques. Et donc, la première expérience qu'on a envoyée en 2002, c'était une des bactéries qui est candidate, en fait, pour ce soutien de vie. Et puis, depuis lors, en fait, au Centre d'études de l'énergie nucléaire, on a effectué entre environ une quinzaine d'expériences. La dernière, elle est partie il y a 2 mois, elle est revenue le mois passé. Et c'était une expérience avec des rotifères qui sont des petits organismes. Et ces petits rotifères, en fait, nous permettent, sont extrêmement ingénus parce qu'ils ont développé des mécanismes de protection contre les rayonnements extrêmement puissants. Et donc, de par leur puissance de réponse, eh bien, ils nous en apprennent énormément.
quant à la manière dont nous, en tant qu'humains, on pourrait éventuellement développer des systèmes de protection plus efficaces en vue justement de missions vers la Lune, vers Mars, mais avec un retour de ces données et de cette recherche sur Terre, parce que tout ce qu'on peut développer comme protection contre les rayonnements, mais ça peut être très utile, ça peut aller de la protection avec une crème solaire plus efficace, la protection, une crème ou des médicaments qu'on peut donner à des patients qui doivent subir une radiothérapie et dont, chez qui on veut bien sûr protéger le tissu sain. Ce qu'on vise évidemment dans un traitement contre le cancer, c'est de tuer les cellules tumorales, mais de protéger le tissu sain. Et donc, il y a énormément d'avantages à développer ces technologies, à comprendre les mécanismes moléculaires de ces petits rotifères. Et donc, on est très contents. C'était aussi une expérience qui a eu beaucoup de succès et qu'on est en train d'analyser maintenant en détail. Et on a eu Je aussi. vais Vas-y, vas-y. prendre une question du chat et qui va un peu, on va remonter un petit peu. C'est que tu as l'air de faire des trucs extraordinaires, mais c'est vrai qu'il y a une question qui, quelle étude a fait madame, j'avais gardé ça quelque part. Alors, tu me diras si je me D'accord. trompe. Donc, titulaire d'une licence en biologie, donc alors, j'aime beaucoup ce que l'article que j'ai trouvé. Elle a fait toutes ses études à la prestigieuse Université catholique de Louvain. Titulaire d'une licence en biologie, d'une maîtrise en biochimie et biologie moléculaire et d'un doctorat en biochimie sur les cancers du sang. Donc ça, on est en 1996. Elle a suivi ensuite des stages aux États-Unis, au Canada et en France. Depuis 1995, elle est chercheuse au SCK-CEN, donc c'est le centre dont tu parlais tout à l'heure, un centre de recherche dépendant du ministère fédéral de l'énergie qui compte quelques 600 collaborateurs, dont voilà. Donc ça, c'est un petit peu le background. Est-ce qu'il y a eu y a sûrement des choses en plus depuis lors? Et donc, comment est-ce que, c'était pour compléter la question de Raphaël, l'espace, c'est arrivé par hasard ou c'était un de tes objectifs ou c'était un de tes rêves? En fait, c'était pas un de mes rêves. En fait, mon rêve et ce qui me passionne par-dessus tout, c'est vraiment comprendre comment soigner des maladies. En fait, c'est vraiment l'approche qui me passionne depuis que je suis toute petite, en fait. Et de comprendre comment une maladie se développe et comment la contrecarrer. Et le cancer est une maladie, mais il y a d'autres maladies qui sont... Et en fait, l'espace est un environnement qui induit beaucoup de maladies de manière accélérée. En fait, l'espace est aussi, si vous voulez, un modèle pour étudier le vieillissement accéléré. Donc, en général, quand on place des cellules dans des conditions spatiales simulées, et c'est ce qu'on fait chez nous aussi tous les jours dans mon laboratoire, c'est de mettre des cellules et d'étudier comment elles se comportent si on les met dans un environnement semblable à un environnement spatial, comme par exemple en microgravité, en apesanteur simulée. Donc on a quatre appareillages qui sont extrêmement sophistiqués et qui permettent de mettre ces cellules en apesanteur complète ou en apesanteur comme la force de gravitation qu'on a sur la Lune ou sur Mars. Et donc, on peut choisir le type d'apesanteur et alors on regarde comment ces cellules réagissent. Et en fait, on se rend compte qu'elles vieillissent en général plus vite. Ce qui veut dire, on le voit très fort chez les astronautes, par exemple, les cellules des os. Donc, les os, l'ostéoporose est vraiment fortement accélérée. On parle parfois même d'un facteur 100. Donc, un mois passé dans l'espace correspond à environ 100 Donc, mois sur Terre. il y a un impact sur la durée de Ben, ça vie fait 10 ans, des quoi. astronautes, en fait. Donc, ça veut dire Énorme. que sur les os, ils peuvent prendre, si c'est un facteur 100, un mois, ça veut dire qu'ils peuvent prendre 10 ans de. Donc oui, C'est effectivement. Donc énorme. ils vont pas tous réagir de la même manière. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus aussi de médecine personnalisée, c'est-à-dire que chaque personne, tout comme nous, chaque individu va réagir différemment par rapport à ses conditions spatiales. Certains astronautes vont être relativement sensibles et d'autres moins sensibles. Mais comme nous tous, je veux dire, certaines personnes vont développer différents types de pathologies, d'autres pas. Certaines personnes vont vieillir plus vite ou vont avoir des problèmes lorsqu'elles vieillissent, d'autres beaucoup moins. Chaque individu, en fait, va réagir différemment. Mais ce qui est un fait, c'est que notamment pour les os, pour d'autres organes aussi du corps, par exemple, la peau vieillit énormément, vieillit très très vite dans l'espace. Et c'est à cause du rayonnement, ça? Rayonnement, la microgravité, la partie, le fait que en fait le turnover
la formation. En fait, dans notre corps, on vit en équilibre. Donc, le nombre de cellules est, en gros, reste assez constant. Pourquoi? Parce que bon, le nombre de cellules, les cellules sont bien éduquées et donc elles se développent et elles se divisent lorsque, bah, lorsqu'il y a une demande. C'est-à-dire que quand une cellule meurt, elle est remplacée par une autre cellule qui reçoit le signal de se développer et de donner, de produire une nouvelle cellule. Donc en général, donc les cellules dans notre corps, les cellules saines, sont des cellules bien éduquées et qui vont donc attendre le signal pour se développer et pour proliférer. Mais le cancer, par exemple, bon, les cellules commencent à proliférer de manière tout à fait anarchique, en ne suivant pas le signal qui leur est donné de justement arrêter de proliférer. Donc elles bypassent un petit peu ce signal-là. Alors dans le corps, lorsqu'il est sain, donc là, il y a une homéostase, c'est-à-dire un nombre de cellules qui reste constant. Mais pour cela, ça veut dire que le nombre de cellules nouvelles, correspond au nombre de cellules qui meurent. Mais dans l'espace, il y a plus de cellules qui meurent par rapport au nombre de cellules nouvelles. Donc il y a plus cet équilibre. Il y a un déséquilibre dans la production de cellules nouvelles et une accélération de la vieillesse et donc du pourcentage de cellules qui meurent. Pas pour tous les organes, mais pour certains organes. Dont les os, évidemment. Dont les os, la peau, le système immunitaire vieillit très vite aussi. Donc ces organes-là sont Et de ça, c'est vraiment uniquement lié aux radiations. Donc, si radiation et apesanteur, parce que on... beaucoup l'apesanteur en fait, parce que l'apesanteur, quand on regarde par exemple les muscles aussi, il y a une atrophie musculaire qui se met en route, qui se met en place en fait dans l'espace, parce qu'à partir du moment où des cellules musculaires, donc les muscles se trouvent en microgravité, en apesanteur, en fait les deux plus importantes molécules de ces cellules, qu'on appelle la myosine et l'actine, en fait, elles arrêtent d'être produites. Et donc, c'est les deux moteurs des cellules musculaires. La production est fortement altérée et donc, on a une diminution de la prolifération des cellules musculaires. Et c'est un petit peu ce qui se passe lorsqu'on a, par exemple, une jambe cassée et qu'on doit porter un plâtre pendant plusieurs semaines. Quand, eh bien, le plâtre, on va devoir changer de plâtre toutes les quelques semaines parce qu'en fait, la masse musculaire fond. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de poids, il n'y a pas vraiment, on n'utilise plus la force de pesanteur, la force de gravitation sur le membre qui est cassé, qui est dans le plâtre. Et donc, il y a beaucoup moins de force de gravitation sur ce membre-là. Et donc, la masse musculaire, en fait, qui n'est plus utilisée pendant un certain nombre de semaines, va fondre. Et c'est ce qui se passe aussi dans l'espace. Et donc, comment contrecarrer cet effet-là? C'est vraiment de faire de l'exercice physique. Et c'est pour ça que les astronautes, en fait, font autant d'exercices, font 2 heures et demie environ de Oui, sport ce par qui est jour. fou, c'est qu'ils font énormément de sport. Mais je me rappelle, je ne savais pas que c'était à ce point-là, mais quand Thomas Pesquet est revenu lors de sa précédente mission, en fait, il fallait le porter. Parce qu'en fait, il n'est même plus capable quand il arrive Ah oui. sur Terre. Au début, il ne s'est pas marché. Donc d'ailleurs, les premières interviews, il est toujours vraiment assis. Et même, il se tient parce que en fait, c'est compliqué. Et c'est vrai que... Ça, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, parce que voilà, moi je pensais qu'il faisait énormément de sport, mais en fait, quelqu'un me dit, oui, mais en fait, dans notre vie, à part quand on dort, on est debout toute la journée, ça veut dire 15, 16, 17 heures, 20 heures pour certains, ça veut dire que le corps, il porte, tant qu'on est debout, il Tout à porte. fait. Et donc, Alors, comme c'est chaque vrai. personne est assez différente, en fait, certains astronautes vont perdre énormément de masse musculaire, même en faisant 2 heures, 2 heures et demie de sport par jour. D'autres vont en perdre moins. Mais donc, le but aussi, c'est qu'avant qu'ils partent, c'est qu'ils aient un maximum de masse musculaire et de force musculaire pour que on sait qu'ils vont en perdre quand même un petit peu, et que même s'ils en perdent un petit peu, ils gardent quand même une assez grande force musculaire. Mais le fait qu'ils aient des problèmes pour se mettre debout, c'est aussi dû à l'intolérance orthostatique. Et ça, c'est vraiment le fait que en apesanteur, on a un mouvement des fluides du corporel. Donc le sang et la lymphe vont être beaucoup plus concentrés en apesanteur dans la partie supérieure du corps. La lymphe, en fait, c'est un liquide qui se retrouve entre toutes les petites cellules de notre corps, et c'est un liquide qui nous nettoie.
Et donc, le système lymphatique, c'est un peu comme le système vasculaire, comme le système des vaisseaux sanguins. Il y a aussi des vaisseaux, et donc qui ramènent en fait toute ces microlitres de liquide autour de nos cellules, et qui les nettoient. En fait, la lymphe, c'est vraiment ce qui nous nettoie. Donc, plus on bouge, en fait, parce que le système lymphatique n'a pas une pompe comme le cœur, comme le système vasculaire, il n'a pas une pompe qui nettoie et qui distribue et qui fait circuler le sang. Donc le système lymphatique, c'est un système un peu moins actif et qui ne fonctionne qu'en fonction du mouvement. Donc plus on Mais bouge, c'est pas plus il d'ailleurs, s'active. allez, comment il s'appelle maintenant cet astronaute américain qui a d'ailleurs fait une reprise de Stardust, allez, Space Oddity, qui fait un TED Talk où il explique qu'il est devenu aveugle lors d'une sortie dans l'espace, en fait, justement, son système lymphatique qui s'est obstrué d'abord à l'œil gauche et puis à l'œil droit. Oui, tout à Et fait. donc, qui explique, il dit, voilà, dans ces cas-là, il faut quand même être un tout petit peu, faut d'abord maîtriser le stress de se dire qu'on est aveugle au milieu de l'espace tout seul. Il Oui, dit, tout à fait, faut tout à d'abord fait. passer ce truc-là et puis seulement commencer à penser rationnellement. J'avais une question sur les dangers de l'apesanteur. Est-ce que, donc, pour aller sur les thèmes de la vie sur Mars et sur la Lune, un, est-ce qu'il y a des systèmes qui sont envisagés, voire en cours d'élaboration, qui permettraient une gravité artificielle, ou ça, c'est vraiment encore totalement de la science-fiction? Oui, c'est encore de la science-fiction, on aimerait bien, mais disons que c'est très très compliqué parce par exemple, pour des cellules, on peut imaginer, on a par exemple dans la Station spatiale internationale un système où on a une espèce de centrifugeuse, donc on a une partie des échantillons qui reste en apesanteur, et puis c'est ce qu'on appelle la biobox. Et qui est une espèce de cube, en fait, dans lequel des échantillons sont gardés, conservés en apesanteur. Et alors, au centre, il y a une espèce de mini-centrifuge qui va faire tourner, en fait, les échantillons pour qu'ils aient une force de gravitation de 1G. C'est-à-dire que ça ne tourne pas vite, hein. Donc, parce que si vous avez l'habitude, en fait, de faire des expériences en biologie, vous savez que si vous voulez vraiment faire induire une sédimentation des cellules, vous devez vraiment utiliser une rotation qui est beaucoup plus importante, de 400 tours par minute, pour vraiment avoir 400 G environ, pour vraiment avoir une force très importante. Donc ici, on utilise une force qui est très peu. Mais cette petite force, si on l'imaginait pour des corps humains, ça engendrerait un mouvement de la Station spatiale internationale qui serait énorme, en fait, qui ne serait pas, en fait, gérable. Donc, chacune des impulsions, il ne faut pas oublier qu'en fait, ces mini-impulsions peuvent avoir des conséquences énormes en termes de mouvement de la Station spatiale internationale. Donc, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore de technologie réelle qui permettrait d'induire artificiellement cette force. Donc le grand cylindre tournant qui fait des plans de la mort dans Kubrick avec 2001, c'est joli au cinéma, mais c'est pas pour demain, quoi. C'est pas pour demain, c'est pas pour Le demain. simple Et fait que ça tourne comme ça, il y a tout qui partirait dans tous les sens, voilà, au moindre exactement. petit grain de sable. Voilà, exactement, Et en fait, exactement. quand tu dis pas pour demain, c'est pour dans longtemps. Non, je pense que ce n'est pas inenvisageable, hein, mais je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore. Ce serait très intéressant de pouvoir le faire, mais c'est pas encore à l'agenda. Et je pense que ce qui est beaucoup plus à l'agenda, quand on regarde les stratégies qui sont développées pour les 15-20 prochaines années, ce sont plus des stratégies d'exercice physique, trouver les meilleurs exercices de résistance qui vont faire que les muscles vont continuer à se développer, ou en tout cas ne pas diminuer de proliférer, ne pas arrêter de proliférer, que les os continuent à fonctionner convenablement, de protéger de manière pharmacologique aussi, donc d'utiliser des médicaments qui vont, par exemple, des radioprotecteurs. Des médicaments qui vont protéger contre les rayonnements. Donc, par exemple, s'il y a un astronaute, on parle d'un village lunaire. Si un astronaute doit faire une septantaine de missions extravéhiculaires, c'est-à-dire sortir du village lunaire et d'aller explorer la surface de la Lune, eh bien, qu'il prenne, par exemple, ce radioprotecteur avant de sortir, ou en revenant, rentrant, et que ça le protégera d'une manière efficace contre les rayonnements. Donc on cherche toute une série de médicaments qui pourraient Et aider.
Et sur la Lune, pour parler de ça, alors c'est pas très linéaire, hein, mais j'entendais un talk de l'ESA où il parlait d'installer une station permanente. Et donc, et la régolithe, alors ils utiliseraient la régolithe comme ciment, ça semblerait, ça pourrait arrêter les radiations. Oui, Et tout donc, à fait. ils pourraient, en fait, et à ce moment-là, le seul truc qui serait encore dommageable pour leur santé, c'est la faible pesanteur. Oui, voilà. Et donc, les régolithes, il y a énormément de recherches qui est effectuée là-dessus pour pouvoir voir éventuellement comment est-ce qu'on pourrait faire des briques, mais aussi comment, et on travaille là-dessus. Nous, on a eu une expérience qui a volé il y a 2 ans sur l'agriculture lunaire, c'est-à-dire de voir comment les bactéries pourraient utiliser les régolithes, donc les roches lunaires, purifier certains éléments de cette roche lunaire et les purifier, qu'ils soient extraits par après et utilisés comme agent fertilisant pour des plantes. Donc les régolithes auraient Alors, plusieurs utilités. oui, la Même si la régolithe, pardon, excuse-moi, Sarah, la régolithe, c'est les poussières et les roches qu'on trouve sur les planètes sans atmosphère. C'est bien ça, Sarah? Exactement, exactement, et qui sont en fait très corrosives. Donc pour l'humain, elles sont relativement dangereuses. Donc c'est les régolithes pour nous, quand on regarde l'aspect au niveau microbiologique, On ne agriculture peut pas lunaire, se rouler dans la régolithe. on ne peut pas se rouler dans la régolithe et c'est un gros problème pour les missions extravéhiculaires parce qu'en fait, c'est tellement corrosif et tellement acide, basique, donc tellement attaquant le scaphandre lunaire qu'il faut vraiment des matériaux pour le scaphandre lunaire qui devront être non seulement élastiques, non seulement résistants à la température, aux UV, mais aussi résistants aux régolithes. On sait bien, par exemple, lors des missions Apollo, que ces régolithes, ces fibres, ces petites poussières, en fait, se logent partout. Donc, il faut vraiment un matériau qui ne laisse pas la possibilité, qui soit vraiment très lisse et qui ne C'est laisse pas ça. la possibilité à ces régolithes de se coincer et de se mettre dans ce scaphandre. Parce que si vous vous souvenez de certaines images et certains films des missions Apollo, eh bien, les astronautes devaient sauter, ils pouvaient marcher quelques pas et puis ils devaient commencer à sauter puisque ces régolithes vraiment se coinçaient au niveau de chacune des fissures au niveau des genoux. Et donc, ça les empêchait complètement de pouvoir se déplacer. Et pour les aspects dangereux de la régolithe, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas que les astronautes respirent. Hein, on sait qu'il y a eu quelques cas dans les missions Apollo d'astronautes qui ont vraiment eu des problèmes au niveau respiratoire, parce qu'une fois que ça se loge, c'est tellement corrosif, si on l'inhale, si on le respire, ça peut vraiment être extrêmement douloureux, très dommageable, parce que c'est de la poussière qui va rester à l'intérieur du corps et qu'on n'arrive pas à vraiment excréter si facilement. Et en plus, ça a aussi énormément d'impact sur la peau. Donc, les régolithes, c'est vraiment des poussières qu'on ne désire pas avoir sur la peau parce qu'elles sont vraiment, elles attaquent énormément la peau. En fait, Et on aussi, désire les avoir nulle part, les régolithes. pas du tout. Et aussi dans l'œil. Donc, il y a trois parties du corps qu'on essaye de protéger au maximum. C'est vraiment les yeux, la peau et le système respiratoire, les poumons. Et en fait, on travaille aussi avec des spécialistes des régolithes pour voir en fait comment est-ce qu'on peut protéger et comment développer en fait le meilleur scaphandre lunaire. On travaille aussi avec une Et équipe de. je ne sais pas si tu as réponse à la question, hein, mais justement, donc je me disais, en fait, le matériau qui va être nécessaire à construire ces scaphandres, c'est des super matériaux. Donc je vous dis, c'est de l'innovation, de la mort qui tue. Et donc, et je serais curieux de savoir comment c'est aujourd'hui aux États-Unis et comment c'est en Europe. Qui finance l'innovation? Est-ce que c'est le privé? Est-ce que c'est le public? Comment fonctionne ce qu'on trouve, le système de brevets? À l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, la NASA offrait les brevets aux sociétés américaines. Est-ce que SpaceX est obligé de céder ses brevets à la NASA? Enfin voilà. En termes T'as combien de questions là? Alors, c'est un pôle de questions. En Oui, gros, mais. c'est la recherche scientifique, qui la finance et à qui elle profite. Enfin, voilà, comment ça fonctionne? Et alors, Bon, je permets de rajouter une question qui était dans le chat. Non, mais qui était dans le chat. C'est-à-dire que j'ai lu qu'il y a très longtemps qu'on n'avait jamais fait de découverte importante avec les expériences dans l'espace. En précisant ensuite que, un peu plus loin. J'ai lu il y a très longtemps un article qui critiquait les dépenses inutiles dans les programmes spatiaux parce que au temps de la lutte de la guerre froide entre Russes et Américains, on a dépensé aussi beaucoup d'argent juste pour aller dans l'espace. Voilà.
Et donc voilà, je rajoute un petit peu de. Oui, tout à fait. Ben, en gros, je vais peut-être d'abord commencer par la différence de vision, peut-être entre l'Europe et les États-Unis. C'est peut-être intéressant d'en discuter un petit peu. Y a vraiment une grosse différence quand on voit SpaceX et on fête là, cette semaine, la semaine passée, les 10 ans de voyages commerciaux, de voyages spatiaux commerciaux. C'est bon, c'est extraordinaire et c'est américain, donc c'est quand même. On voit qu'aux États-Unis, on a vraiment des grandes personnalités comme Elon Musk qui vraiment stimulent, pas uniquement au niveau des États-Unis, mais qui stimulent dans le monde entier, je crois, la recherche spatiale. Il a fait du En Europe, bien ça fait du bien. au funneling d'argent dans l'espace. Oui, et puis, oui, tout à fait. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas ces équivalents-là en Europe, en fait, parce qu'on a énormément de cerveau, on a les compétences, on a toutes les mêmes compétences, si parfois pas mieux, qu'aux États-Unis, mais on a un système qui est très très différent. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, c'est vraiment bon, un groupe de nations européennes qui donne chacune un certain montant, un certain pourcentage. Et qui travaillent ensemble. Donc, la recherche au niveau de l'ESA, c'est vraiment une recherche internationale, une recherche avec énormément de laboratoires qui sont impliqués pour chaque expérience. Mais on travaille différemment. Donc, par exemple, pour donner un peu le contexte de la Belgique, on a chez nous, la recherche est financée par BELSPO essentiellement, qui est la politique scientifique. Hein. Et donc il y a un retour de l'argent que la Belgique donne à l'Agence spatiale européenne qui est en fait retourné par après vers les équipes scientifiques ou vers les industriels. Mais malgré tout, l'industrie belge est certainement très très fort développée. On peut être extrêmement fier de ce qu'on fait en Belgique pour notre pays, tant au nord qu'au sud du pays. Donc c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que un petit désavantage aussi au niveau européen, c'est qu'on a ce qu'on appelle la ministérielle, c'est-à-dire que tous les deux ans, 3 ans, les différentes nations, les différents ministres des différents pays européens qui sont impliqués dans l'ESA, rediscutent et renégocient les montants et les budgets. Et donc, les budgets sont toujours octroyés pour une période de 2 ans maximum. Donc, ce qui est assez difficile pour des expériences qui doivent voler, parce qu'entre le moment où on propose une expérience, qu'elle est sélectionnée, qu'un hardware, c'est-à-dire qu'un équipement est développé et que l'expérience vole, ben on peut avoir une échéance de 10 ans environ. Moi, j'avais une expérience qui avait été soumise en 2004 et qui a volé en 2016. Donc, il y a une adaptation entre le rythme Oui, nécessaire à l'innovation tout à fait. dans l'espace et la façon dont sont financés les projets. Oui, Et effectivement. il n'y a pas de place pour l'instant dans le privé comme il y en a dans le. Enfin, toi, Sarah, est-ce que tu vois la privatisation de l'espace comme une bonne chose? Et est-ce qu'il y a des garde-fous? Donc, est-ce que l'IP, la propriété intellectuelle générée. Enfin, voilà. Comment ça se passe à ce niveau-là? Les risques entre la pression d'innovation que le privé peut apporter et les dérives sur l'appropriation et la privatisation du savoir ou de. Personnellement, moi, je vois pas trop un gros problème à ce niveau-là. Je vois plus des problèmes au niveau de l'exploration entre les nations, en fait. Au niveau de l'exploration de différentes planètes, parce qu'on a différents traités. On a le traité de l'espace, on a le traité de la Lune, mais qui n'est pas ratifié par toutes les nations, qui n'est pas signé. Et donc, en fait, on a deux poids, deux mesures. On a un groupe de nations qui, comme les États-Unis, par exemple, ou le Luxembourg, qui ont comme loi que s'il récupère certains types de matériaux ou de matières premières très précieuses Un astre. un corps céleste, oui, ou sur une planète, eh bien que ça leur appartient. Mais toutes les nations n'ont pas signé ça. La moitié des nations n'est pas d'accord. Donc je vois plus un problème du côté en fait, cette ambiguïté dans le traité de l'espace, le traité de la Lune, où tout le monde n'a pas signé et où finalement les pays ne sont pas tous d'accord. Donc je vois plus des problèmes à long terme à ce niveau-là, plutôt que des problèmes entre l'industrie, le privé et le public. Mais quand on voit par exemple maintenant ce qui se passe avec SpaceX, personnellement, je trouve que
c'est assez positif, quoi, parce que ça avance bien. Si le timeline, les dates qui sont proposées par SpaceX, ben, elles sont beaucoup plus rapides. Le fait qu'ils disent ben, qu'ils vont aller sur la Lune beaucoup plus rapidement que ce que la NASA propose, aller vers Mars aussi beaucoup plus tôt que ce que la NASA. Donc, on voit que ben, en boostant, que le privé ben, booste quand même un peu et stimule un peu tout Ah ce oui, programme. alors justement, ça c'est la partie très très positive que je trouve très excitante. Mais. C'est bien celle-là. Le truc que je trouve peu moins excitant, je sais pas si c'est plus problématique, c'est les brevets qui étaient trouvés par les agences spatiales, quelque part, revenaient dans les communs. Alors que les brevets du privé restent dans le privé. Et donc, il y a une partie de ce savoir essentiel qui est l'accès à l'espace. C'est vrai aussi. C'est vrai Qui, voilà. que bon, nous, on le voit, on développe aussi, comme la manière dont ça fonctionne à l'ESA, c'est que, bon, typiquement, quand des scientifiques proposent une expérience, ce n'est pas eux qui vont développer l'équipement. Donc, eux ont l'idée, ils vont préparer l'expérience, mais ils vont travailler en commun accord avec de l'industrie, avec l'industrie qui va être nommée par l'ESA. Et donc, l'ESA choisit une firme qui va s'occuper du développement de l'équipement. Mais effectivement, tout ce qui est protection intellectuelle de l'équipement, ça va vers l'industrie. Alors qu'en fait, toute la protection intellectuelle de l'expérience, de la créativité, de l'idée derrière, les scientifiques n'est pas protégée. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est un petit peu. Ça fait un petit peu grincer les dents parfois. D'un autre côté, de pouvoir effectuer des expériences dans un environnement qui est tout à fait hors du commun, exceptionnel, permet d'obtenir des réponses bah, qu'on n'a pas sur Terre, donc qui sont tout à fait, qui vont nous donner parfois bah, des idées tout à fait innovantes au niveau thérapeutique, au niveau de nouvelles molécules. La manière dont les molécules cristallisent, les protéines cristallisent, est tout à fait différent. Donc, on peut obtenir une pureté qui est beaucoup plus importante. La manière dont les bactéries vont fonctionner, la manière dont les cellules vont fonctionner. Donc, tout ça, ça donne énormément de satisfaction au niveau scientifique, quoi. Au niveau de et le but des scientifiques en général, c'est de publier, de faire connaître leur connaissances, leur expertise, ce qu'ils ont découvert pour le monde entier, pour la communauté scientifique et la communauté universelle. Donc, en gros, le scientifique n'est pas vraiment fort intéressé par les aspects financiers, quoique on essaye quand même de plus en plus de stimuler les scientifiques à développer des spin-offs, développer des start-up, développer. Et que bon, c'est pas, ça se côtoie pas toujours de manière facile dans le monde spatial. Ok. Mais j'avais une question. Tu fais d'abord une réponse aussi tout à l'heure, Raph. Tu sais, tu parles par rapport de SpaceX et de la NASA. Thomas Pesquet l'expliquait assez bien dans une interview il y a quelques jours. Il dit, ça reste quand même un projet de la NASA. C'est-à-dire que il s'envole pas tout seul, Elon Musk, dans l'espace. Il y a tout le know-how de la NASA depuis des décennies. Bien sûr. Et sans ce know-how, ils vont pas dans Alors l'espace. justement, mais c'est bien ça, c'est bien ça. Donc que le savoir global infuse dans la direction des entreprises, Oui, c'est mais un truc c'est. que la NASA a toujours fait, et spécialement dans une société qui va l'aider elle-même. Ma question, c'est justement, est-ce que dans le deal qu'il a obtenu, par exemple, pour aller sur la Lune avec la NASA, est-ce qu'il y a un deal comme quoi l'IP, enfin la propriété Mais intellectuelle, est ça, quelque c'est part que. partagée? Et je suis Justement, pas au Raph, c'est ça que courant, hein. c'est. Justement, c'est ce qu'il expliquait, c'est-à-dire que ça ne va pas être Elon Musk sur l'espace, ce sera la NASA dans l'espace et l'équipement viendra de SpaceX, ce qui est assez différent. C'est-à-dire que les expériences qui seront faites là-bas, les astronautes, les cosmonautes ou qui sont, ils travailleront pas pour SpaceX, ce seront toujours des gens envoyés par l'ESA, envoyés par les Russes ou par les Chinois, mais ce n'est pas Elon Musk qui va mettre des gens qui vont faire et qui vont Non, repartir. Et ça c'est très clair. donc la propriété ne sera pas Elon Musk. Ils fournissent les tuyaux. Oui, mais Et puis juste. les astronautes sont formés par la NASA, sont formés par l'ESA, par la JAXA, l'agence japonaise, l'agence chinoise. Donc ils sont formés, l'agence spatiale russe. Donc les astronautes sont formés par des agences
nationale. Hein. Donc Mmh. ça reste toute cette formation qui dure, comme on parle pour l'instant de Thomas Pesquet, qui a été entièrement formé par l'Agence spatiale européenne, même s'il va voler dans SpaceX avec un costume d'astronaute de SpaceX et dans le Falcon et dans le lanceur Falcon et dans le Crew Dragon, ça reste un astronaute européen avec un drapeau français. Donc ça reste. Il a été formé, entièrement formé par l'ESA. Bien sûr, nos astronautes européens sont aussi partiellement formés, un petit peu par la NASA et par les Russes aussi, parce qu'ils vont passer un certain nombre de mois à la NASA à effectuer une série de camps et de formations, quoi. Tout à fait. Ça, Ah, c'est normal et ça fait partie. tu parlais des Russes. Il y a où est-ce qu'elle est la question? Voilà, Oulahop qui pose la question de savoir quel est ton avis sur l'annonce de la Russie de quitter l'ISS et de lancer sa propre station en 2025? Écoutez, donc moi je fais partie de différents comités qui conseillent l'Agence spatiale européenne et bon, l'ISS, la Station spatiale internationale, c'est un objet technologique qui est extraordinaire, qui vient de fêter maintenant depuis novembre l'année passée ses 20 ans C'est ça, c'est vieux, hein. d'opération. Oui, mais qui est en phase de refurbishment, c'est-à-dire que les différents équipements sont réparés, de nouveaux équipements sont amenés, et donc on est vraiment en train de préparer dans toutes ces réunions de comité, on est vraiment en train de discuter le futur de l'ISS. Donc on avait parlé du fait que l'ISS, on arrêterait d'utiliser en 2000, d'abord en 2016, puis en 2020, puis en 2024. Maintenant on parle de 2028 et les dernières discussion, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va en faire après 2030. On va continuer à l'utiliser parce qu'en fait, l'ISS nous apporte tellement d'informations. Il y a plus de 3000 expériences qui ont déjà eu lieu à bord de l'ISS, mais nous apporte tellement d'informations par rapport à la préparation des missions vers la Lune et vers Mars. Donc, je ne pense pas que on va l'abandonner si facilement, surtout qu'elle fonctionne très bien. En fait, il y a tout l'équipement qu'il faut, Et toute une l'entretien est série de. suffisant, donc en fait ça pourrait continuer encore et encore. Tout à fait, il y a oui, et il y a une quinzaine de pays, et donc c'est vraiment une énorme collaboration internationale, une quinzaine de nations, il y a plus de 240 astronautes, on doit être à 200, 240, 250 astronautes qui ont été, c'est vraiment un pacte, c'est vraiment un endroit de paix, un immense laboratoire. Donc je ne pense pas que ça va se terminer si rapidement. Et donc je pense qu'on va encore l'utiliser pendant plusieurs années. Surtout qu'il y a encore, avant de vraiment avoir des astronautes qui vont rester sur la Lune pendant plusieurs mois, on a encore beaucoup de recherches à effectuer, que ce soit de la recherche sur le système immunitaire, sur le vieillissement comme on en parlait, sur la flore intestinale, sur le microbiome intestinal, sur le mouvement des fluides dans le corps, mais aussi de la recherche fondamentale en physique des plasmas. Donc tout ça, il y a énormément de choses. Et comme on le voit encore avec Thomas Pesquet, il va partir avec 12 expériences qu'il devra effectuer, 12 expériences scientifiques, technologiques et des expériences éducationnelles, donc avec des enfants. Il a vraiment un programme fort chargé où il va étudier toute une série de choses. La cicatrisation des blessures, il va étudier le soutien de vie, hein, donc cette boucle Mélissa dont j'avais parlé et qu'on étudie aussi chez nous au Centre d'études d'énergie nucléaire. Il va tester différents types d'exercices physiques, vraiment pour pouvoir être prêt à aller vers la Lune et vers Mars. Donc, je ne pense pas qu'on va abandonner l'ISS si Justement, rapidement. j'ai une question pratique. Donc, tu dis qu'il y a dans l'ISS, il y a pas loin de 3000 expériences qui ont déjà été menées. Ma question, c'est comment ça se passe? Et c'est une question vraiment un peu de A à Z. D'abord, comment est-ce que on choisit une expérience, enfin, et qu'on dit tiens, elle va être testée dans l'espace. Une fois qu'elle est choisie, enfin, qu'est-ce qui se passe? Financement. Et puis ensuite, comment ça se passe justement avec l'astronaute? Comment, parce qu'il doit, je suppose, tester, enfin, faire les tests sur Terre. Enfin, je ne sais pas. Et Oui, comment ça se passe après? J'aimerais bien avoir un petit peu le cheminement, comme ça, tu vois, de A jusqu'à Z, d'une expérience.
Donc, en gros, donc, l'Agence spatiale européenne émet des appels d'offres. Hein, donc, toutes les quelques années, l'Agence spatiale européenne propose aux scientifiques de toute l'Europe, la NASA fait la même chose, la JAXA fait la même chose pour l'ISS, pour la Station spatiale internationale. Et donc, il y a plusieurs programmes et plusieurs types d'appels d'offres. Il y a les appels d'offres pour la Station spatiale internationale. Et donc là, les chercheurs européens, ça peut être des groupes de chercheurs d'un pays particulier, mais en général, la plupart du temps, ce sont des recherches qui sont effectuées grâce à un consortium, des consortia qui viennent de plusieurs pays européens. Ils proposent une expérience et il faut d'abord être bien noté. Donc, les expériences sont évaluées sous forme de deux critères, sont revues par un panel de scientifiques, évidemment, de haut niveau, et sont évaluées selon deux critères. D'abord, la qualité et l'excellence scientifique. Et le deuxième critère, c'est la faisabilité. Donc, par exemple, si vous pouvez, et vous devez avoir un score qui est très élevé pour les deux critères. Donc, vous pouvez imaginer une expérience très intéressante, comme par exemple envoyer un éléphant dans l'espace. Ça peut être scientifiquement très relevant et très intéressant, mais la faisabilité va être quasi nulle. Et donc, vous allez. Il va avoir l'air surpris, Babar. Ceci dit, faut faire attention parce que les éléphants, tout à fait, genre sans transition aucune, à part peut-être l'éléphant, dans le livre LSD, Mon enfant terrible d'Albert Hoffman, qui est celui qui a découvert la molécule et qui explique toutes ces étapes entre la découverte, le moment où c'est rentré en psychiatrie, le détournement complet de Timothy Leary, enfin tout le bazar. Et en fait, il explique que quand on qualifie une nouvelle molécule, il y a toute une série d'expériences, notamment de zones létales, enfin de doses létales. Et donc, on fait des tests en montant les doses graduellement sur des souris, enfin sur toute une série d'animaux. Et puis, il y a plein d'animaux sur lesquels on doit faire des tests, mais ils sont trop rares que pour qu'on les tue. Donc, on fait des simulations et on démarre avec des doses homéopathiques. On monte et puis, sur base de ça, on tire des extrapolations. Et donc, ils ont demandé un éléphant à prêter aux eaux de Zurich. Et ils lui ont donné une goutte homéopathique et l'éléphant a fait. Et donc ils ont dû ramener l'éléphant mort aux eaux. Voilà, bref. D'accord. Voilà. Ça n'a aucun rapport à part l'éléphant, mais voilà. c'était intéressant quand même. C'était Et intéressant quand même. Donc, oui, donc la c'était intéressant faisabilité. quand même, j'aime beaucoup. Oui. Donc voilà, la faisabilité, c'est notamment son coût, mais aussi sa réalisation, si c'est trop long, enfin, il y a Voilà. toute une série de critères. Et puis on commence le parcours du combattant, c'est-à-dire que l'expérience est donc Et qu'est-ce que, suivante. pardon, est-ce que avant l'expérience, le parcours du combattant, l'excellence scientifique, c'est quoi comme critère qui se cache derrière? L'excellence scientifique, c'est la partie de l'originalité, l'innovation, le fait que ça répond à un problème spatial. Donc, hein, donc il faut que ça rentre dans les priorités scientifiques de l'Agence spatiale européenne, quoi. Donc ça, je crois que ce sont plus ou moins les critères. Et donc, en gros, vous devez avoir plus de 90% pour les deux critères, le critère de faisabilité et le critère d'excellence scientifique. Et si vous avez plus de 90%, à ce moment-là, vous pouvez commencer à discuter avec votre agence spatiale nationale, donc BEXPO pour la Belgique, pour demander des financements. Et là, vous allez dire, voilà, ben, moi, il me faut un étudiant doctorant, il me faut un postdoc, ou il me faut un chercheur, il me faut un technicien, enfin voilà. Et donc, vous allez recevoir ce petit capital d'argent pour 2 ans, hein, jusqu'à la prochaine ministérielle qui va de nouveau négocier ce que vous allez recevoir les 2 ans suivants. Et puis, en parallèle, on va vous assigner une firme qui va s'occuper de l'équipement et qui va développer l'équipement avec vous. Et donc, vous allez aider, superviser ce développement de l'équipement en disant, voilà, moi, je veux un cube ou je veux quelque chose qui me permette de garder mes cellules à 37 degrés. Donc, il faut un contrôle de la température, il me faut un milieu, quelque chose, un milieu Il n'y a quasi pas d'appareils génériques réutilisables, en fait. Enfin, si, Il y a des j'imagine. Il y a les gros appareils. trucs standards, comme, Oui, entre il y guillemets, en une a. centrifugeuse, sauf que justement pas. Mais le Thermomix ou un. Chaque expérience est unique, mais elle est en général unique, mais il y a quand même des appareillages qu'on peut réutiliser. Et donc, en général, ce sont les mêmes firmes, et même quelques firmes qui peuvent proposer cet équipement parce qu'elles ont déjà l'expérience pour faire voler.
ces expériences en microgravité. Et donc, ça peut prendre plusieurs années de développer cet Ce équipement. que tu avais dit, une dizaine d'années entre l'introduction Ça, du c'est projet. vraiment long. Ça, c'est vraiment long. Hein. Mais c'est pas, ça peut arriver. Hein. Les expériences les plus rapides, ça, c'était 4 ans, 3-4 ans. Ça, c'était l'expérience la plus rapide, 3 ans, entre le moment où elle était soumise et le moment où elle a bougé. Mais ça, ce sont des expériences qui sont en général plus faciles. Par exemple, la première expérience de Neurotifère, il y a un an et demi, il y a 2 ans. Là, c'était des rotifères qui étaient secs, donc des rotifères secs qui asséchés, parce qu'en fait, les rotifères, ils peuvent vivre asséchés, ils peuvent vivre hydratés, enfin, ils sont très résistants à tout. Et c'était une expérience qu'on appelait l'expérience de une expérience de poche, que l'astronaute pouvait mettre dans sa poche, une espèce de des rotifères qu'on pouvait mettre dans une espèce d'enveloppe, qu'il pourrait même mettre dans sa poche et puis amener ça dans la Station spatiale internationale. Donc ça demande beaucoup moins de complexité, ça a moins de complexité au niveau de l'équipement et de l'appareillage et de l'outillage à développer. Mais des expériences où vous avez des cellules humaines, où vous devez garder tout à 37 degrés avec un échange de gazeux, d'oxygène, de CO2, eh bien ça c'est beaucoup plus compliqué évidemment. Hein. Et vous devez éviter, parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez des cultures en cellules, des cellules en culture, pardon, vous devez les mettre dans un milieu liquide. Et ce milieu liquide, c'est un milieu très nutritif qui contient beaucoup de vitamines, qui contient des protéines, qui contient du sucre et qui va nourrir les cellules. Mais vous ne pouvez pas avoir de bulles d'air là-dedans. Et en fait, si vous vous souvenez d'un épisode de Tintin, avec le capitaine Haddock, qui partait dans l'espace et qui était avec son verre de whisky dans l'espace, avec ce whisky qui devenait une espèce de bulle. Donc chacune, vous avez vraiment dans l'espace bien des bulles d'air qui vont se former dans le liquide qui va aussi former des bulles. Donc on a au niveau liquide, au niveau des fluides, une autre mécanique des fluides en fait. Et donc on doit tenir compte de ça. Et y a donc il n'y a que quelques firmes qui peuvent vraiment développer des équipements spécifiques et adéquats. Et donc, mais on continuons donc, Attends. ils font les tests. Juste, Et comment? peut-être petite, Ouais. juste avant de continuer sur les tests, parce qu'elle était Ouais. tellement raccord celle-là. Tu parlais du whisky dans Capitaine Haddock, et justement, José demandait, peut-on faire sauter une bouteille de champagne dans l'espace? Comment ça se passerait? En gros, je pense, hein, ça donnerait quoi comme résultat? C'est pas lié, hein? C'est une bonne question. Ben, Bon, d'abord, ce serait tellement comme tout flotte, quand on ouvre une bouteille, bah, tout le liquide va commencer à flotter, et donc vous pouvez l'inhaler, ça devient un danger, quoi. Vous pouvez l'inhaler, l'aspirer, donc ça, bon, qu'est-ce qui une bouteille de champagne, c'est une Mais excellente. le bouton le bouchon devrait de toute façon sauter. Il y a une question de Ouais. pression. Donc ça serait sûrement différent, mais il n'y a pas de raison que le bouchon ne saute pas. Non, non, mais alors les bulles. Oui, après il y Les en bulles aurait à partout. l'intérieur, les bulles, parce qu'il va y avoir vraiment une grosse différence et un gros choc au niveau de cette mécanique des fluides. C'est comme une espèce de mousse, quoi. Donc c'est une expérience à proposer à l'ESA. Parce que ben, il y a des spécialistes des mousses, hein. Il y a des spécialistes des mousses. Moi, j'ai des Là, amis là, qui là, travaillent là. là-dessus. Et c'est très, très, très complexe, en fait, les mousses. C'est extrêmement complexe. La C'est manière une dont les bouteille mousses de champagne dans se l'ISS, forment. c'est potentiellement la fin de l'ISS, en fait. Ou d'un prix Nobel. Ou Voilà, ou un prix Nobel, c'est vrai. Pardon. Alors, justement, tu voulais Mais continuer je le voulais process, revenir. Matt. Oui, tout à Je voulais fait. qu'on refasse un peu le process donc de l'expérience. Comment on fait jusque là-bas, comment est-ce que ça revient chez vous en fait? C'est ça Ah voilà. un Puis petit donc peu. l'expérience, quand l'équipement est optimal, donc on l'a testé plusieurs fois, il fonctionne bien. Donc à ce moment-là, on peut prévoir de voler. Donc on est attitré, on a un vol attitré. Jusque-là, on a un vol attitré, mais qui est temporaire, quoi. Donc en général, le premier vol qui est attitré,
avant que l'appareillage soit préparé et opérationnel. Le premier vol qui a titré, en général, il y a une différence de plusieurs années de manière courante entre le premier vol et le vol réel, le vol effectif. Et donc, l'expérience vol, Non, mais alors. avant qu'elle vole, comment ça se passe avec l'astronaute? Enfin, Ah je oui, suppose il faut que le lui, former, il ne découvre pas ah oui, bien sûr. l'expérience comme ça. Ah oui, donc les astronautes, il faut les former, il faut les débriefer, il faut leur dire ce qu'il faut faire exactement. Donc, par exemple, typiquement dans les expériences qu'on a effectuées, je vous donne des exemples. On peut avoir des boîtes de pétri avec du gel à l'intérieur. Eh bien, on va demander à l'astronaute d'arrêter l'expérience, c'est-à-dire de déplacer cette boîte de pétri de la température ambiante au frigo. Donc, il va à tel jour. Après un tel nombre de jours, après un tel nombre d'autres jours, mais il va de manière consécutive ramener ses échantillons au frigo et les arrêter. Ou alors il peut brancher un appareillage. Donc si tout l'équipement est un espèce d'incubateur miniature, eh bien, on peut tout mettre à l'intérieur de cet équipement et dire à l'astronaute, voilà, la seule chose que vous devez faire, c'est le brancher et allumer l'appareil. Ça peut être aussi simple que ça, aussi D'accord. fois compliqué. On peut aussi lui demander de prendre des photos des cellules, par exemple, donc de prendre les petits modules de cellules de culture et de les mettre sous le microscope et de prendre des photos et de nous envoyer des photos pour suivre des cultures de cellules. On peut donc l'astronaute, en fait, il est en général, ils sont très 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 polis, extrêmement intelligents évidemment, et ils écoutent et ils reçoivent bon, vraiment l'agenda de toutes les expériences qu'ils doivent suivre. Jour après jour, semaine après semaine. Donc ici, Thomas Pesquet, qui a ses 12 expériences, il en a toute une série qui vont durer relativement longtemps, eh bien, il va les suivre certains jours, C'est ça. Et ici, il en a moins, hein, parce que comme il devient commandant de bord, il doit avant tout gérer aussi l'équipe. Mais c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui ont plusieurs dizaines d'expériences à gérer pendant leur trajet, mais ils n'ont que ça. Ici, Thomas Pesquet l'expliquait. J'ai vu, Fait. d'ailleurs, je disais à Raph avant le live que je commençais déjà à avoir un peu une overdose de Thomas Pesquet, puisque. Non, mais lui est tellement affable et sympathique et il accepte quasi toutes les interviews, donc on le voit partout. À part sur les boîtes de lait, on le voit partout. Mais donc, c'est vrai qu'on a beaucoup vu. Par contre, c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses. Donc, il disait qu'ici, il vient quand même. Voilà, il va devoir mettre de l'huile dans les rouages entre tout le monde. Mais que lui, lors de son premier trajet, il y a des jours, il voyait quasi personne. Il dit tellement qu'en fait, il faisait expérience, expérience, il travaillait, que parfois, s'il ne se forçait pas, bah, voilà, il vivait sa vie dans une bulle. Ce qui est fou Oui, parce que c'est quand même, ça fait que 100 mètres carrés, hein, l'ISS, c'est pas non tout à plus. fait. Non, c'est tout petit et c'est vrai. Ça fait 110 mètres de longueur et 30 mètres de hauteur. C'est pas très grand, mais effectivement, lors de l'expérience, lors de la mission, la première mission de Frank Dewin en 2002, il avait 32 expériences dont il devait s'occuper, dont la nôtre qui était vraiment, où il devait faire beaucoup de choses. Et où ça a quasi tout a fonctionné, à part une petite chose qui n'a pas bien fonctionné. Mais pour le reste, donc 32 expériences. Donc on a vraiment dû bien le former, en fait, pour qu'il puisse faire ses expériences sans faire d'erreur, en fait, hein. Mais effectivement, ici, dans le cas de Thomas Pesquet, je pense que la plupart de ses expériences, il va les faire en début de mission. Et effectivement, à la fin de la mission, il va devenir commandant. Et il va devenir le premier commandant français. De l'ISS, C'est c'est le ça. quatrième commandant européen, donc le premier c'était Troisième, quatrième, quatrième, troisième, quatrième. quatrième. Le premier c'était Frank Dewin, donc le Belge, et puis Alexander Gerst, et puis Luca Parmitano, et puis Thomas Pesquet. D'accord. Et puis il va voler avec toute une série de gens qui ont déjà volé. Donc, ils vont être 7, ce qui est assez. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont assez différentes par rapport aux missions traditionnelles. Depuis quelques semaines maintenant, ils sont à 7 à bord. Ce qui veut dire, et normalement, en fait, avant, ils étaient à 5, et puis ils sont montés à 6 personnes à bord, et maintenant, ils sont à 7, ce qui veut dire qu'ils font beaucoup plus d'activités extravéhiculaires, ils sortent beaucoup plus, et ils ont vraiment, les dernières semaines, ils sont presque sortis toutes les semaines
à réparer les panneaux solaires, oui, réparer, ajouter différents types d'appareillages. Et donc, il y a vraiment deux membres d'équipage qui sont presque attitrés à faire ces activités extravéhiculaires. Donc, en fait, c'est un avantage d'être à 7, mais ça veut dire que l'ISS, au départ, elle n'est pas vraiment faite pour être à 7. Hein. Tout au niveau du support de vie, de la nourriture, c'était plutôt pour 5. Mais maintenant, avec les vols de plus en plus fréquents, on augmente à 7. Et on peut alors augmenter aussi le nombre d'expériences scientifiques. Donc, ça augmente, c'est aussi tout bonus pour la science, en fait. Et donc, il y a toute une série de chouettes expériences qu'il va effectuer à bord qui sont vraiment très, 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 très gaie, mais aussi très, très importante pour le futur, notamment, je vous parlais de la cicatrisation des blessures. Ça, c'est vraiment très important de la comprendre, parce qu'il y a vraiment un très gros problème au niveau de la cicatrisation. Le vieillissement du cerveau, il va s'occuper de ça aussi. Il va tester différents types d'appareillages pour de casques de réalité virtuelle. Et ça, Et j'avais puis vu aussi. aussi tout en manœuvre de robotique, Aussi, tout à tester fait. des bras robotiques ou des... Oui, le Canadarm qu'il va qu'il qui dont, dont il a oui, c'est fortement oui il a une énorme formation aussi pour utiliser le Canadarm qui est ce bras robotique qui va être fort utilisé pour tout ce qui est maintenance et pour les sorties extravéhiculaires et aussi pour l'amarrage des vaisseaux. Et puis il aura une expérience aussi très chouette pour les enfants qui s'appelle le blob et qui est une moisissure en fait. Oui, Assez oui. visqueuse et il va en et qui en fait qui est une cellule, c'est une cellule et qui peut s'adapter, qui peut apprendre et puis qui peut se développer de manière différente. Et donc voilà, il y a pas de cerveau, c'est une seule cellule et qui est toujours capable de bouger, de se nourrir et de s'organiser différemment. Et Et donc c'est une création, c'est une création ou c'est une non. cellule quand... Non, non, ça va être, c'est une, non, non, c'est ni une plante, ni c'est une espèce de champignon, mais ni un animal, c'est plutôt, oui, Un genre de blob quoi. champignon. C'est le blob. Sur ce Oui, coup-là, en fait, c'est bien trouvé en fait. Le blob. le blob, voilà, et c'est pas une plante, c'est pas un animal, c'est pas un champignon, ça s'appelle un physarum, C'est un ça. Mais le physarum. blob, c'est un peu une des stars de cette mission. En tout cas, une des stars médiatiques, on en a pas mal parlé. Mais donc, je ne démords pas, on continue. Donc, ils sont dans la station, ils font les expériences. Est-ce que vous recevez des résultats automatiquement ou est-ce que vous recevez Si on les les demande. résultats? Pardon? Si on les demande. Si on les demande. Donc, toutes les expériences ne demandent pas d'avoir des résultats systématiques. Donc, parfois, on reçoit juste les résultats que la température de l'équipement, que tout se passe bien. Maintenant, si on demande qu'il y ait une mesure précise qui soit effectuée, par exemple, tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines par l'astronaute, eh bien, à ce moment-là, on a directement un feedback de l'astronaute. Donc, dans la dernière expérience, dans la dernière expérience qu'on a envoyée il y a 2 mois et qui est revenue le mois passé, là, on avait demandé à l'astronaute. Donc, les rotifères qu'on a envoyés étaient envoyés secs, asséchés. Donc, ils avaient été déshydratés. Et donc, ils arrivaient dans l'ISS et dans l'ISS, ils devaient être réhydratés. Et pour être réhydratés, donc, on doit vraiment mettre en contact ces rotifères asséchés avec de l'eau. Et donc, l'astronaute devait faire une série de manipulations, donc d'injecter de l'eau dans les petits modules et puis de bouger légèrement ce module un certain nombre de fois qu'on lui avait demandé. Et donc, il a effectivement effectué ces mouvements et il nous a envoyé des photos pour dire que voilà, il avait bien bougé. Et puis, on lui a demandé 2 jours après de vérifier que tous ces modules, tous nos modules, 14 modules, ils fonctionnaient bien, que tout allait bien. Et puis, il nous a dit, ben là, qu'il y en avait deux qui ne fonctionnaient pas bien. Donc, il n'y avait pas de mesure effectuée. Donc, il y avait un problème électrique, un petit souci électrique. Et donc, des 14 échantillons qu'on a envoyés, eh bien, il y en a deux qui n'ont pas fonctionné. Mais pour le reste, l'expérience a très bien Ça va. fonctionné. Ça va. 12 sur 14, C'est pas c'est mal, bon. très bien. Alors les rotifères, pour ceux qui ne savent pas comme moi, ce sont des parasites de crustacés, de mollusques ou d'annélides. Ils composent une grande partie du zooplancton d'eau douce et constituent une source de nourriture importante dans les écosystèmes d'eau douce. Voilà. C'est parce que c'est Donc, vrai que phonétiquement parlant, on aurait pu croire que c'était un Bruxellois en colère, un rotifère, mais bon, soit.
Alors, Une bonne question de José. oui, justement, j'allais la poser. Voilà, Eh vas-y. ben, vas-y. Non, je t'en prie, après. Parce que ça, en plus, ça, c'était ma question suivante. Ma question suivante, c'est, lui, c'est quel serait le luxe extrême, le rêve réaliste en expérimentation dans l'espace? Et j'aimerais bien que tu nous parles un peu de tes expérimentations, parce que ça fait déjà 20 ans, donc c'est, ça fait maintenant un moment. Combien tu en as fait? Quel genre? Est-ce qu'il y en a qui ont, est-ce qu'il y a eu des échecs, des réussites? Enfin, voilà un peu Oui. le. Donc la première question, c'était quelle expérience ultime Oui, ça, il ce y a? serait vraiment toi. Toi, c'est vraiment si tu te dis, il y a un truc que tu rêves de faire, mais que voilà. Oui. Bah, je vais peut-être prendre un tout petit peu, 1 minute ou 2 pour répondre, pour réfléchir, et puis je répondrai dans 1 ou 2 minutes. En attendant, je vais répondre à l'autre question qui était un petit peu plus facile, si tu permets. Tout à fait, tout à La fait. deuxième question, c'était On a expérience ultime. beaucoup de minutes devant nous, hein, donc vas-y, t'as tout le temps de réfléchir. Tu Oui, disais. donc le concentré de mes expériences, le concentré, le résumé de mes expériences, si ça vous dit, ça vous Oui, intéresse? c'est ça, tout à Donc, fait. il y a plusieurs, bon, on a vraiment plusieurs expériences qui ont volé. Je vous parlais du soutien de vie, donc ça, ce sont vraiment des expériences qui visent à comprendre dans chacun des 4 compartiments de la boucle Mélissa, donc comment les bactéries qui doivent recycler. Je me permets de te couper, tu en as déjà parlé de cette boucle Mélissa, mais c'est quoi la boucle Mélissa? La boucle Mélissa, c'est une boucle dans laquelle qui Le pipi, les recyclerait légumes. C'est ça, ok. les légumes et le caca, et donc dans lequel sont injectés tous les déchets, et qui de cette boucle Mélissa ressortent de l'eau purifiée, En fait, c'est la de vraie l'oxygène. approche zéro déchet. Tu vois, Voilà. il y a en fait le zéro déchet sur Terre, c'est pour les petits. Voilà, Le donc zéro cette boucle, déchet dans l'espace, ça c'est autre chose, on appelle ça la boucle Mélissa. la boucle D'accord. Mélissa, et il y a une partie de la boucle Et Mélissa Julie? qui fonctionne J'y pense, dans dans cet angle. l'ISS, dans la Station spatiale internationale. Et donc, il y a plusieurs expériences qui ont été effectuées depuis 2002, et il y en a quelques-unes aussi. Au départ, c'était des expériences très simples. Les toutes premières expériences étaient vraiment très simples, du genre boîte de culture, boîte de pétri, avec du gel à l'intérieur et des cultures de bactéries. Et puis petit à petit, en fait, on a réussi à développer des systèmes beaucoup plus compliqués, avec des cultures liquides, où on pouvait faire des analyses par après, des analyses moléculaires beaucoup plus poussées, de haut débit, des analyses moléculaires fort développées. Donc ça, il y a tout un pan de recherche au niveau du support de vie. Et puis, on a toute un pan de recherche de cellules du corps qu'on a envoyées. Donc, on a envoyé des cellules de peau. Je vous disais que le vieillissement de la peau est fortement accéléré dans l'espace. Et donc, on a, pour tester ça, pour vraiment comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires, on a envoyé des cellules de peau de manière à comprendre comment ça se passe, comment ces cellules réparent les dommages au niveau de l'ADN après avoir été irradiées avec des rayonnements cosmiques, et comment est-ce que toutes les cellules de différents types, ou est-ce que des cellules mutantes qui réparent moins bien, est-ce qu'elles vont mourir plus facilement? Alors, on a d'autres expériences, on a des expériences aussi où on a testé les vaisseaux sanguins. Donc, on a envoyé des cellules de vaisseaux sanguins, et on a regardé pendant 2 semaines comment les vaisseaux sanguins se formaient, se reformaient. Donc, hein, est-ce qu'ils fonctionnent de la même manière? Est-ce qu'ils vont? Parce qu'en fait, les vaisseaux sanguins, j'en ai pas beaucoup parlé, mais entre le sang et le vaisseau sanguin, vous avez une couche de cellules qui est crucial. C'est une couche de cellules qu'on ne veut pas perdre. Et c'est cette couche de cellules, en fait, est relativement sensible aux conditions spatiales, et n'aime pas tellement la pesanteur, n'aime pas les rayons cosmiques, est relativement sensible. Et donc, de comprendre comment les vaisseaux sanguins se comportent et comment ils vieillissent est très important, parce que ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait une hémorragie, que le vaisseau sanguin éclate. Et qu'il y ait une hémorragie de l'astronaute. Donc, parce que ça, ce serait vraiment, ça pourrait être mortel, ça pourrait être létal. Donc, on a envoyé des expériences aussi de vaisseaux sanguins,
de manière à comprendre ben, comment le vaisseau sanguin répare, à quel point il est sensible. On a aussi envoyé, et on est pour l'instant, on étudie aussi le système immunitaire des astronautes. Donc, on a ce week-end, on a du sang d'un astronaute qui nous revient. Non, qui est revenu la semaine passée, mais on étudie l'astronaute au jour 1 et au jour 7 après son retour. Donc, on appelle ça le R7, le retour 7, le septième jour du retour. Donc, on fait ça régulièrement. Le mois passé, on a aussi récupéré des échantillons d'astronautes qui reviennent, astronautes ou cosmonautes. Ce sont des astronautes européens ou des cosmonautes russes. Et ce qu'on étudie là, c'est la manière dont chaque individu, chaque astronaute va réagir après 6 mois dans l'espace. Donc on fait des mesures de ces astronautes avant qu'ils partent et on fait des mesures quand ils reviennent. Donc on étudie la manière dont ils réparent leur système de réparation dans leurs cellules et avant et après un séjour dans l'espace. Est-ce Et aussi que, les... je me permets de couper là, est-ce qu'il y a déjà, après maintenant 60 ans d'études, est-ce qu'il y a des patterns? On voit, est-ce qu'on sait qui, est-ce qu'il y a des choses qui font, des gènes qui font que certains récupèrent plus, d'autres moins, ou on On sait a pas? exactement. Donc on voit en fait de fortes différences d'un astronaute à l'autre. Donc tout comme entre les individus sur Terre, on a aussi de fortes différences. Un individu n'est pas l'autre, et donc on voit des astronautes qui sont relativement sensibles et d'autres qui sont relativement résistants au rayonnement. Alors pourquoi est-ce que c'est important de savoir ça? C'est pas si important pour des voyages dans l'ISS, comme je l'expliquais, parce que là, ben, ces astronautes, ils passent 6 mois dans l'espace. Bon, c'est une dose d'irradiation qui est plus importante que sur Terre, mais c'est pas encore trop dommageable. Mais pour des missions vers la Lune et vers Mars, ce sera vraiment très important de développer ce qu'on appelle un programme Est-ce que tu personnalisé. peux rappeler combien de temps on prévoit justement pour ces voyages-là? Ben, on parle de missions d'environ 6 mois sur la Lune. Donc l'aller-retour d'une semaine et 6 mois sur la Lune, mais c'est pas bon, sur 6 mois sur la Lune, donc on a des doses qui sont 300 fois plus fortes que sur Terre, mais c'est surtout les activités extravéhiculaires, c'est-à-dire c'est surtout lorsque l'astronaute va sortir de ce village lunaire et qu'il va explorer la surface de la Lune. À ce moment-là, il n'a plus que le scaphandre, il n'a plus que son costume spatial et c'est sa seule protection. Alors que à l'intérieur du village lunaire, mais il sera protégé des rayons cosmiques relativement correctement, de par cette protection avec les régolithes, on Et pour l'espère. Mars, on parle quand même de... Quasi 1000 fois Oui, la mais dose qu'on le a temps de testée. trajet de toute façon, le temps de Ah, trajet. d'un an, un an et demi, C'est ça, donc alors voilà, on est... tout, Mais il alors que. n'y avait pas l'idée de SpaceX, c'est pas justement de prendre la fenêtre de tir tous les 2 ans qui permet d'avoir 2 à 3 mois de trajet? Bien sûr, l'idée, c'est d'accélérer au maximum ces voyages, Et d'aller de donc, plus en plus vite, mais on voilà, a c'est ça, il y a 2 histoires, il y a les moteurs, mais ça, on va peut-être en parler après. avec les technologies d'aujourd'hui, ça va quand même prendre plusieurs mois quoi, pour y aller et plusieurs mois pour revenir. Mais on espère qu'on va aussi développer des technologies qui vont faire que ça va aller beaucoup plus vite, quoi. Mais donc on a, et aussi sur Mars, l'idée, c'est de rester plusieurs mois sur Mars. Donc on parle de missions qui vont quand même... Qui peuvent durer jusqu'à 2-3 ans. Et là, on a quand même une dose d'irradiation qui sera plus importante. Surtout lors de l'exploration, c'est-à-dire lors du voyage à l'aller, au voyage retour, et puis lors de l'exploration sur la surface, à la surface même de la Lune. Et donc, il est important de pouvoir développer des méthodes de protection, de ce qu'on appelle de blindage. Blindage de la station, blindage du costume spatial, du scaphandre spatial, le plus approprié possible, en vue de limiter au maximum les dégâts. Et donc, on voit chez ces astronautes qui ont été dans l'ISS, on voit déjà un pattern qui peut être très différent d'un astronaute à l'autre. Donc, ça, on fait depuis plusieurs années, et donc, on continue régulièrement à avoir les astronautes. Les échantillons d'astronautes, des échantillons de sang avant et après leur voyage. Alors on a aussi des expériences sur les rotifères dont j'ai parlé. On a 2 expériences sur les rotifères qui ont volé jusqu'à présent et on en a encore plusieurs qui sont prévues. Et donc l'idée là-dedans, c'est vraiment de développer à terme
des programmes personnalisés de médecine, c'est-à-dire que en fonction de la sensibilité intrinsèque d'un individu, d'un astronaute, de pouvoir déterminer le programme adéquat pour cet astronaute, de pouvoir dire, voilà, si cet astronaute étant tellement sensible au rayonnement, il vaut mieux Qu'il reste sur Terre. qu'il ne sorte pas trop. Non, non, et on ne va pas désélectionner un astronaute. L'idée n'est pas de désélectionner un astronaute qui a été sélectionné, mais de peut-être légèrement revoir le nombre de missions extravéhiculaire que cet astronaute va devoir faire. Et donc de ne peut-être pas, ou de peut-être protéger davantage un astronaute par rapport à Tiens, un autre. est-ce qu'ils portent comme pour les radiations, est-ce qu'ils ont des espèces de... comment dire, je sais pas moi, vous savez, pour ceux qui travaillent dans le nucléaire, ils portent un espèce de Oui. badge qui calcule les Un radiations. Est-ce qu'il y a la même dosimètre, des chose? dosimètres. Oui, Un ils dosimètre, ouais, portent. c'est ça. Voilà. Et notamment, en fait, mon institut de recherche envoie aussi tous les 6 mois des dosimètres dans l'espace. Donc, des dosimètres qui permettent de mesurer les radiations et qui donnent une bonne idée du taux de radiation qu'un astronaute a reçu. Parce qu'il D'accord. faut savoir que en fait, l'ISS est en perpétuel mouvement, hein, et le Soleil a une activité qui varie. Hein. Le soleil a un cycle, il y a une activité qui varie, et puis parfois il y a les éruptions solaires. Donc en fait, il n'y a pas deux missions dans l'ISS qui donnent la même dose de radiation. Les doses de radiation sont vraiment dépendantes de chaque mission. Elles dépendent de plein de choses, des éruptions solaires, de l'activité solaire, de l'activité et de la distance par rapport à la Terre, de la distance par rapport au Soleil. Et donc, l'ISS est en perpétuel mouvement, donc on va avoir une différence de mission à mission, mais aussi, pour les astronautes, on va avoir une différence de personne à personne en fonction de leur sensibilité intrinsèque. Et aussi, il faut savoir que la capsule elle-même de la station, le manteau, est composée de différents métaux, hein, qui vont protéger, mais qui vont aussi être à l'origine de la production de différentes particules secondaires d'irradiation. C'est-à-dire que non seulement on a les irradiations cosmiques et des galaxies du Soleil, mais on a aussi des particules secondaires qui vont venir de la D'accord. percussion des irradiations primaires vers le métal de la capsule, Donc spatiale. l'station est irradiée en fait. Et qui vont engendrer des irradiations secondaires. Donc, une myriade, ça peut engendrer ben, une myriade d'irradiations secondaires qui peuvent être parfois même plus néfastes que les irradiations cosmiques elles-mêmes. Et donc, il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on va utiliser comme matériaux pour protéger. C'est Et ça qui donc, l'avait l'air toutes ces surpris quand études on l'a mis dedans. toutes ces études de dosimétrie, en fait, sont très utiles et très importantes parce qu'elles nous permettent de comprendre à quel point ben, on peut avoir une mission différente par rapport à l'autre, mais la complexité des radiations d'une mission à l'autre et d'extrapoler, de modéliser ce qui va se passer en vue des missions vers la Lune et vers Mars. Alors, Justement, je reprends une question. Ici, parce que tu vois, on parle de beaucoup d'expériences pour les, excuse-moi, Raph, Non, je t'en prie. pour les astronautes, mais il y a une question quand même qui revient souvent. Est-ce qu'il y a des études ou recherches dans l'espace qui ont servi sur Terre pour nous, les petites gens? Ah Il y en oui. a certainement, mais c'est quand même, peu de gens voient en fait. On parle de, ben voilà, de beaucoup de choses, mais quel est l'impact sur notre société? En fait, il y a énormément de recherches qui sont d'abord à utilité, à usage spatial, mais qui ont une répercussion sur Terre directement. Bon, dans la médecine, il y en a énormément, hein. Par exemple, la manière dont les cellules vont former des vaisseaux sanguins dans l'espace, nous, on l'utilise, par exemple, on simule cette apesanteur dans le laboratoire, et ça va permettre, de reformer un vaisseau sanguin. Et ça peut être très intéressant et très important dans tout ce qui est chirurgie cardiaque, par exemple. Si vous voulez remplacer un vaisseau sanguin, un gros vaisseau, une artère pulmonaire, par exemple, ou une aorte, eh bien, en utilisant les cellules du patient lui-même,
Vous pouvez les remettre en culture, ça va former un vaisseau sanguin que vous pouvez réinjecter par après dans le patient. Et donc, vous évitez le rejet, vous évitez des problèmes donc en utilisant les cellules de la personne elle-même, du patient lui-même. Tout ce qui est recherche en radioprotection, c'est-à-dire des matériaux qui protègent le mieux, il y a énormément de recherches spatiales en radioprotection qui est utilisée sur Terre. En radiothérapie, qui est utilisée en radiothérapie, comment protéger le tissu sain, comment tuer mieux les tumeurs, quelle combinaison de rayonnement peut-on utiliser et qui donne encore des meilleurs résultats pour tuer ou pour diagnostiquer. Pour diagnostiquer, puisque les rayonnements, ça peut être aussi très utile pour diagnostiquer différents types de pathologies. Pour comprendre différents mécanismes, l'ostéoporose, eh bien, c'est très utile. Les recherches sur l'ostéoporose dans l'espace, puisqu'on a ce système d'ostéoporose accélérée, tout ce qu'on développe comme méthode, eh bien, on peut l'utiliser par après dans nos patients qui sont des patients parfois, des patients âgés, qui se déplacent peu, qui ont une masse musculaire qui va fondre, qui va diminuer. Eh bien, si on peut trouver des systèmes, des exercices relativement courts, très, très efficaces, les plus efficaces, qui en quelques minutes permettent de repeupler le muscle des patients qui ont été immobilisés pendant plusieurs mois, pendant plusieurs semaines. Donc ça, c'est tout bénéfice de comprendre la composition de la flore intestinale qui est la plus adéquate. On sait par exemple que le microbiome intestinal, la flore intestinale, c'est vraiment un environnement d'un demi-kilo environ de bactéries dont on a environ 400-500 différents types de familles, hein, de milliards de bactéries qui jouent un peu le rôle de second cerveau, qui vont avoir une influence sur la manière dont notre corps humain va réagir. Et on sait que le microbiome, donc la flore intestinale, peut induire différents types de pathologies. Et donc, en régulant, en assurant que les meilleures bactéries, que les souches de bactéries qui sont les plus efficaces, les plus utiles dans notre flore intestinale, ben reste, ou en tout cas prolifère et se développe de manière idéale et adéquate, eh bien, on permet aussi de faire des études de manière à mieux comprendre comment interférer et comment au mieux avoir une composition intestinale, de flore intestinale la plus efficace pour combattre différents types de matériel. J'imagine qu'en oncologie, dans tout ce qui est traitement sur le cancer, l'espace a pas mal apporté aussi, si on parle de radiation et autres. De protonthérapie, si vous regardez par exemple la protonthérapie, la recherche en protonthérapie chez nous dans notre laboratoire, on effectue énormément de campagnes d'irradiation, c'est-à-dire on va dans des grands accélérateurs, on effectue des types d'irradiation chez nous, mais on n'a pas tout le spectre cosmique, hein, qui est... Donc on va dans différents endroits où il y a des grands accélérateurs, par exemple à Caen, au Ganil, qui est le grand accélérateur là-bas, on va aussi en Allemagne, on va en Afrique du Sud, on va à différents endroits où on irradie en fait avec des particules très spécifiques et on regarde comment est-ce qu'on endommage les cellules. Ces études sont super importantes puisqu'elles permettent de voir comment tuer encore mieux des cellules cancéreuses, comment protéger, quels sont les types de molécules qu'on peut utiliser, de médicaments qu'on peut utiliser pour protéger. On envoie des cellules cancéreuses dans l'espace, on n'a encore jamais envoyé de cancéreux dans l'espace, j'imagine. On a aussi un projet qui s'appelle Tumors in Space, donc les tumeurs dans l'espace, qui a été sélectionné par les Nations Unies et qui doit voler en fait d'ici 2025 et qui vise à comprendre comment des cellules cancéreuses se développent. Est-ce qu'elles se développeraient plus vite dans l'espace? Parce qu'il y a déjà des cellules cancéreuses qui ont été envoyées dans l'espace. Certains types de cellules cancéreuses se développent beaucoup plus vite dans l'espace que sur Terre, d'autres types beaucoup moins vite. Donc, c'est vraiment très important de comprendre aussi, effectivement, si on a un cas d'astronaute qui partirait dans l'espace et qui développerait un cancer, est-ce qu'il y a plus de risques que ce cancer se prolifère à une telle rapidité qui est quasi une impossibilité de traiter? Donc, vous avez à ce moment-là un beau tissu.
et puis vous allez fracturer ce tissu, cette culture de cellules, et vous allez regarder avec quelle vitesse en fait ces cellules vont reformer un tissu et un tapis complet. C'est moins drôle. C'est moins drôle, mais en fait c'est un gros problème la cicatrisation, hein. En fait, si je pense à la mission de Dirk Freimuth, je me souviens qu'il y avait un des astronautes qui était parti avec la mission Dirk Freimuth et qui s'était coupé avec je crois, du papier d'aluminium. Il s'était coupé la peau et en fait, et pendant les 15 jours de la mission, la peau ne s'est pas refermée du tout. La Ah peau est oui. restée ouverte comme au moment de la coupure. Et donc, évidemment, il a badigeonné, il a désinfecté, il a mis un gaz qui était stérile tous les jours. Donc là, il s'en est bien occupé, mais ça n'a pas du tout cicatrisé. Donc il y a vraiment un gros problème au niveau de cette Non. cicatrisation. Et donc, ça peut... Ça, Et c'est quoi? C'est la gravité à ce moment-là ou La l'absence gravité de gravité? induit des changements moléculaires qui font que tout le système de coagulation, de fermeture des tissus ne se met pas en place, n'est pas activé. D'accord. Et donc, pendant ces 15 jours, ces cellules, les cellules de peau ne se sont pas du tout Alors, transformées, elles sont mortes. c'est une des questions que j'ai depuis un moment, mais il y a une bonne question de Dan qui était un peu hors topic, mais comme le chat est en train d'avancer, elle recule de plus en plus loin, mais voilà, je vais elle est un peu entre parenthèses, mais est-ce qu'une mission spatiale subit des cyberattaques? Et donc, est-ce qu'il y a la nécessité d'avoir une couche de sécurité informatique sur des vols russes par rapport aux Américains et aux Chinois, Américains par rapport aux Russes, enfin voilà. Est-ce qu'il y a... Bah, je crois qu'il faut, entre les missions vers l'ISS et les satellites, je crois que il faut faire une différence, quoi. Les satellites pourraient éventuellement être les victimes d'une cyberattaque, hein, d'une attaque Dépendant cyber. de ce qui passe comme trafic sur le satellite, en fait. L'ISS, c'est des expériences scientifiques relativement ouvertes, il y a peu d'intérêt. Oui, c'est un endroit, surtout dans l'ISS, c'est vraiment une collaboration internationale. Les astronautes américains utilisent le segment russe, travaillent dans le segment russe, les Russes travaillent dans le segment américain. C'est vraiment, ils partagent le même environnement. Donc, à ma connaissance, bon, je suis pas au courant de tout non plus, mais à ma connaissance, il y a pas vraiment de problème. C'est un endroit de paix. Par contre, tout ce qui est satellite, et c'est vrai qu'il y a quelques années, Trump avait lancé l'idée d'avoir une armée spatiale. Un peu à la Star Wars, à la guerre des étoiles, du style guerre des étoiles. C'était surtout pour protéger les satellites, en fait, hein, qui, eux, si effectivement ils venaient à, si les informations venaient à tomber dans des mains ennemies, ben ça pourrait être un gros problème, hein. Mais ça, c'est autre chose. Pour rappel, c'était United States Space Force. Il y a une série absolument géniale d'ailleurs qui s'appelle Space Force qui est sortie l'année passée, qui était très drôle. D'ailleurs, quand il a annoncé ça, ce qui est très drôle, c'est de voir la tête, parce qu'il y a toujours, il annonce des trucs, mais il dit pas tout à tout le monde. Et il y avait le chef de l'armée à côté, mais on voit vraiment que lui, il débarque, il sait pas de quoi on parle. Et c'était assez formidable. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de regarder. Il y a un documentaire sur Arte sur Trump, le bilan. Et Ah où oui. il y a des Américains, des Anglais, des Allemands, des Russes, enfin, il y a des gens de partout. Et ce qu'ils disent très souvent, c'est la surprise. C'est les gens qui découvrent, qui n'étaient pas au courant, et que, il y en a un qui dit à un moment, oui, il faut essayer de garder son poker face. C'est un bon Mais c'est cool. entraînement d'avoir un président comme ça. Alors, Alors, on va reprendre le chat. ouais, On sur va les reprendre le chat. radiations, justement, il y avait Adessilou qui demandait, est-ce que justement les radiations endommagent aussi le matériel des navettes, des satellites et autres, et comment est-ce qu'on s'en prémunit? Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est important d'étudier avant d'envoyer, bon, un satellite, avant d'envoyer un matériau spécifique. C'est très important de voir. Je vous parlais du vieillissement du corps accéléré avec les conditions spatiales, mais en fait, les radiations induisent un vieillissement accéléré des matériaux. Donc, c'est pour ça que c'est important d'étudier la résistance des matériaux, de tous les matériaux qui sont envoyés, et de voir comment est-ce qu'ils vont vieillir, si c'est accéléré, et à quel point, donc, de modéliser la vitesse de vieillissement de ces matériaux. Très important.
Parce que bon, plus on peut modéliser, extrapoler, eh bien on pourra imaginer combien de temps cet appareillage va rester fonctionnel, quoi, et opérationnel. Très important, effectivement. Donc, les radiations endommagent, peuvent endommager, effectivement, les matériaux. Et aussi, ce dont je n'ai pas parlé, qui est aussi intéressant, c'est que les bactéries ont aussi, peuvent muter et mutent plus rapidement dans l'espace. Et le fait que ces bactéries mutent plus rapidement, en fait, elles peuvent attaquer les matériaux comme elles C'est ne le ça. feraient pas sur Terre. Et donc, on D'accord. a toute une série de cas, par exemple, de la station Mir, avant la station, avant l'ISS, hein, la station russe. Des cas, elle était plus habitable puisqu'il y avait environ 200 catégories de champignons et de bactéries qui étaient des bactéries pathogènes, donc très nocives pour l'humain, et des bactéries technophiles, c'est-à-dire qui aiment tout ce qui est tous les appareillages technologiques et qui s'étaient développés sur quasi tous les matériaux. Et donc, c'est pas pour faire peur, pas pour vouloir faire peur, mais les bactéries nous posent aussi un problème, pas uniquement à l'intérieur du corps, comme j'expliquais au niveau de la flore intestinale, mais aussi les bactéries de l'environnement de l'ISS, puisqu'on peut pas stériliser, on peut pas stériliser les humains avant qu'ils partent. Ils partent avec leurs bactéries, ils partent avec leur flore intestinale et leur flore totale. Et il est impossible de stériliser tous les matériaux en détail. Donc on se retrouve toujours avec un petit peu de bactéries à l'intérieur de cet espace, de véhicule, de ce vaisseau, de ce véhicule spatial. Si j'entends bien tout ce que tu dis, donc la radiation qui, on parle de 100 fois pour la station spatiale internationale, mais si on va vers Mars, tu parlais de 300 fois plus, 300 à 1000 fois, 300 à 1000 fois. 300 à 1000 fois, il y a ça, donc il y a les bactéries qui en plus donc seraient aussi irradiées plus, donc on ne sait pas ce que ça donnerait. On ne sait pas ce que ça donnerait sur le corps, parce que pour l'instant, j'ai vu que l'astronaute qui était resté le plus longtemps, c'est un cosmonaute qui est resté 400 et des jours. Ben c'est pas le Le gars Mars. à la chute du mur. C'est pas celui qui est parti dans Je l'espace. sais pas. Ah Il a oui. quitté l'URSS et il est revenu en Russie en fait. Et il est resté 18 mois à tourner en attendant que son Donc gouvernement se... c'est en 95. Alors il y en a un qui est resté le plus longtemps. Mais je pensais que c'était lui qui avait le record parce qu'il est resté. Je me demande si c'est pas 18 mois ou enfin en tout cas plus d'un an. Mais c'est le plus, c'est 437 jours, c'est le record. Ah bah alors oui voilà, c'est plus d'un an mais Mais donc, moins que ça, ouais. on sait que ça fonctionne, qu'il meurt pas, hein, donc Oui, qu'il mais ne ce que je meurt veux dire, pas. est-ce que pour l'instant, que ça va être très long, les radiations, les effets des radiations vont être énormes. Donc c'est quand même, pour l'instant, avec la technologie et les expériences comme elles sont aujourd'hui, la science comme elle est maintenant, c'est quand même, on peut dire qu'aller sur Mars, c'est quand même assez dangereux. Pour l'instant, bah oui, c'est assez dangereux. Donc, non seulement la durée, mais aussi la mission en tant que telle, au niveau technologique. Même si, oui, effectivement, donc on a les données pour 500 jours, 450, 500 jours dans l'ISS, les missions les plus longues dans l'ISS et Mir. Mais c'est encore un autre chiffre si on va dans l'espace profond, vers la Lune, vers Mars. Donc à ce moment-là, on aura des doses beaucoup plus importantes, doses plus importantes et beaucoup plus dommageables, puisqu'on a, c'est aussi cette, on appelle la qualité des radiations, mais c'est vraiment cette composition et cette caractéristique des radiations cosmiques qui est beaucoup plus dommageable. On a les rayons cosmiques galactiques qui sont extrêmement, qui induisent ce qu'on appelle des dommages très complexes, qui induisent des dommages très complexes, qui ne sont pas simples pour la cellule à réparer, qui prennent des heures à la cellule à réparer, qui ne sont pas garantis à être réparés correctement. Donc il y a vraiment ce risque que un dommage qui n'est pas réparé correctement laisse une mutation, que cette mutation donc se perpétue. Engendre, puisse donc se perpétuer dans les cellules qui continuent à proliférer et qui va engendrer une accumulation de mutations. Et quand on regarde la plupart des pathologies, en général, les pathologies, c'est justement notamment le cancer, c'est une accumulation de mutations. Hein, C'est ça. le fait qu'une cellule devienne cancéreuse, c'est pas parce qu'elle meurt, c'est parce qu'elle se transforme.
Est-ce que le risque que les personnes qui feraient les retours de Mars, c'est qu'ils ne reviennent pas tous avec un cancer? Le risque est beaucoup plus important. Ben, le risque sur Terre, déjà, il n'est pas négligeable. Le risque de développer un cancer sur Terre, c'est d'environ 25% pour une femme, 30, 33% pour un homme. Donc, un homme sur trois, une femme sur quatre environ. Mais si on parle de mission vers Mars, on va augmenter ce risque de 25% chez la femme. On peut arriver jusqu'à 45% de risque de développer un cancer, hein. Donc, on peut, sans protection. Donc, il faut vraiment les protections les plus importantes pour les rayonnements cosmiques, parce que sinon, on risque d'augmenter ce risque très, très fortement. C'est ça. Et pour l'instant, comme tu disais, on ne sait pas si le cancer va s'accélérer. S'il Si, va si, s'accélérer ou s'il va c'est ça, être on ne sait pas stoppé. encore, c'est ça. Oui, effectivement. Donc, on espère qu'avec ces expériences sur les tumeurs dans l'espace, ben, qu'on comprendra un peu mieux. Et l'idée, je pense qu'au niveau du tourisme spatial, enfin, l'idée, ce serait aussi d'offrir aux gens, même qui sont peut-être pas en aussi bonne santé que les astronautes, parce que bon, les astronautes, ils sont en très bonne santé, hein, ce sont des gens qui ont été aussi formés, qui ont été sélectionnés, donc ce sont des gens d'une santé exceptionnelle. De pouvoir offrir la possibilité à des gens qui n'ont pas nécessairement été sélectionnés comme astronautes, de pouvoir voler aussi, mais pas aussi longtemps, mais de pouvoir voler. Donc pour l'instant, il y a moyen de faire des vols parabolique, mais on parle beaucoup T'aimerais de. bien aller dans l'espace? Oui, moi oui, j'aimerais énormément. Oui, en fait, oui, je compte postuler à cette offre de possibilité de partir et de faire partie de la nouvelle sélection des astronautes. Oui, jusqu'au 28, on peut postuler jusqu'au 28 mai. Oui, Donc j'espère. tu vas postuler, tu vas postuler. Oui, Tiens, dans voilà. le chat, est-ce que quelqu'un a envie de postuler, Il a faut envie postuler. de... C'est très important de postuler. Et puis aussi pour les femmes, Oui, mais enfin, parce qu'il y a. il faut quand même un background. Enfin, déjà, aujourd'hui, hein, peut-être que plus tard, ce sera autre chose, mais il faut un background, il faut minimum être ingénieur ou un background scientifique. Mais je pense qu'elle a un Et background scientifique. oui, je parle de Sarah, je parle des gens dans le chat. Je te dis juste, ça vaut la peine de postuler. Oui, Sarah, merci, c'est gentil. Mais bon, il ne faut pas oublier non plus oui, qu'effectivement, c'est un petit avantage si on est ingénieur ou si on est scientifique ou si on est médecin, c'est un avantage. Mais il y a une ouverture de plus en plus grande de toutes les activités et de toutes les professions vers le spatial, hein. Donc, ça a bien été expliqué aussi par le directeur général de l'ESA. En fait, dans les gens qui postulent, tous ne vont pas être pris comme astronautes, hein. Il y en a qu'un certain nombre. Il y a 6 astronautes et puis 20 astronautes de réserve, mais que beaucoup qui vont postuler vont pouvoir aussi travailler pour l'ESA dans différents types d'emplois. Et à l'ESA, je crois qu'il y a environ 300 types de diplômes. Donc, l'ESA Mais regorge j'imagine de il y a gens beaucoup de qui sont maintenant. software aussi et de gens avec des profils dans Tout à tout ce fait qui est différent. AI, algorithmes, des Tout à choses comme fait. ça. Communication, les aspects légaux, il n'y a pas que l'ingénierie et les sciences, il y a l'art aussi. Donc, je veux dire, il y a tous les domaines, en fait, se rattachent quelque part à l'espace. C'est pour ça que je dis, et qu'en fait, l'ESA recrute aussi, pas uniquement pour des futurs astronautes, mais aussi pour des gens qui travailleraient pour l'ESA. Et l'ont proposé dans l'ouverture du poste, en fait, dans l'ouverture des postes, que beaucoup de gens seraient repris, qui ont postulé seraient repris pour d'autres fonctions qu'astronautes. Moi, j'avoue que dans ma bucket list, il y a marcher sur la Lune, simplement dans l'espèce de pari futuriste qui est avec l'évolution exponentielle. Je me dis, il n'est pas impossible que aller mettre un pied sur la Lune, c'est quelque chose d'accessible. C'est complètement débile et je m'en fiche un peu de ne pas le faire. Mais je me dis, en fait, je l'ai mis dans ma bucket list plus parce que je pense que c'est dans le domaine de l'envisageable pour un nombre, alors quand je dis important de la population mondiale, soyons clairs, ce sera 1, 2, 3, 4%. Mais ce qui est déjà complètement dingue en termes d'accessibilité, enfin voilà. Oui, tout à fait. Mais je pense, oui.
Je pense effectivement la Lune. Bon, on y a déjà été, quoi. Donc normalement, ça devrait. Et si on est bien protégé au niveau du village, d'un village, d'une aire, je pense que c'est le risque est quand même. Ce serait quelques jours pour y arriver, quelques jours pour revenir. Et si on reste bien protégé, enfin, donc les risques sont peut-être limités quand même d'une certaine manière si on reste protégé. Et qu'on ne sort pas, mais bon, quelle est la joie peut-être, je ne sais pas si c'est si intéressant que ça, mais ce qui est important aussi, c'est les études au niveau mental, en fait, au niveau psychologique, au niveau de l'impact, en fait, de longues missions. Il y a tout l'aspect physique, hein, de l'apesanteur, des radiations, mais il y a toute la partie comportementale et dans laquelle, en fait, les analogues spatiaux, comme par exemple l'Antarctique. L'Antarctique est un analogue, donc une manière d'étudier l'impact de l'isolement, du confinement sur au niveau mental, sur le comportement, mais aussi sur tous les aspects cognitifs, donc sur la mémoire, sur la capacité d'apprentissage, la vitesse d'apprentissage, et aussi sur la cohésion d'une équipe, la manière dont on fonctionne en équipe. Donc tout l'Antarctique est un très bon analogue D'ailleurs, spatial. tu as travaillé hein, sur la. Tu as participé à une mission à la station Oui. Princesse Elisabeth. Donc voilà, tiens, justement, ben, ce sera peut-être l'occasion d'en parler un petit peu. Ah oui, donc effectivement, la station Princesse Elisabeth, qui est la seule station en Antarctique qui est une station zéro émission. Je fais un peu de publicité pour notre station belge, hein. Oui. Donc il y a 9 éoliennes et il y a 200 panneaux solaires, hein, donc qui permettent de produire de l'électricité en continu. C'est une station qui est habitée pendant l'été en Antarctique, hein, donc qui n'est pas habitée toute l'année. Mais qui est monitoré toute l'année, mais à distance. Donc, il y a plusieurs stations. En fait, les grandes puissances ont chacune leur station en Antarctique, dans laquelle bien des personnes sont envoyées, des volontaires sont sélectionnés pour passer plusieurs mois. Et donc, la station qui est utilisée pour l'Agence spatiale européenne, c'est la station Concordia, qui est un peu en altitude, donc il y a 4000 mètres d'altitude en Antarctique, sur le plateau quasi au centre de l'Antarctique. Non, j'ai pas été, mais je travaille avec une équipe de scientifiques depuis 2010, en fait, sur des échantillons, des échantillons de personnes qui ont passé environ 12 à 13 mois consécutivement, donc en une fois. Et je peux vous dire que d'avoir été dans la station Princesse Elisabeth, pas pendant cette durée-là, moi je pense pas que ce serait si simple de passer 12-13 mois, en On est bien fait. d'accord. Et justement, superbe transition, Sarah, parce que Tanguy disait, est-ce que le confinement a permis de présélectionner des bons candidats pour le voyage sur Mars? Parce qu'évidemment, c'est une condition de confinement. Alors, évidemment, confinement pour un virus sur Terre versus confinement dans une capsule à plusieurs en plus. Je ne sais pas ce qui est pire, si c'est d'être seul ou d'être plusieurs pendant 12 mois dans un espace confiné. J'imagine qu'il y a des études qui doivent dire que c'est quand même, il y en a un mieux que l'autre, mais voilà, mais est-ce que ça a aidé? Moi, je pense, si au niveau personnel ou est-ce au niveau général? Non, au niveau général, alors, à la base, la question était pour le niveau général, mais je suis intéressé d'avoir ta réponse au niveau personnel également. Mais donc, au niveau général, je pense que bon, les astronautes sont extrêmement bien formés, entraînés. Bon, sélectionnés, il faut pas oublier en fait que si 10 000 personnes postulent pour devenir astronaute, il y en a environ 1 000 qui vont être sélectionnés, qui vont faire partie du premier round, hein. Et de ces 1 000-là vont recevoir toute une série de tests psychologiques. Et des 1 000, 40 vont être repris pour faire des tests physiques et de santé. Hein, donc le premier test, le deuxième test, donc premier test, la première sélection de 10 000 à 1 000, je pense que c'est sur base du parcours, des diplômes et des formations. Mais la deuxième partie du test, la deuxième grande sélection, c'est une sélection psychologique. Hein. Donc psychologique, cognitive, donc mémoire et mentalement, concentration et tout ce qui va avec. Donc il y a plusieurs tests.
C'est ça. La Et là, dernière promotion, c'était celle de Thomas Pesquet, il a dit l'autre jour. Et donc, eux, à l'époque, ils étaient 8 000 au départ, ils ont terminé à 8. oui, d'accord, tout à fait. Et donc, de 1000, ils sont à ce moment-là 40. Et là, ils vont faire toute une série de tests physiques et puis ils vont se retrouver à 6, 8. Donc, on a, mais la première très importante sélection, c'est vraiment une sélection mentale, hein. Donc, effectivement, bon, et après, ça, c'est ce qu'on appelle une select in. C'est une sélection pour faire partie du groupe, du pool d'astronautes. Après, ben, il y aura toute une série de facteurs qui vont être utilisés, qui vont être testés pour voir comment ben, l'astronaute va réagir en groupe, au niveau de la cohésion, au niveau du suivi des normes, des règles, des instructions. Donc, il y a toute une série de choses qui vont être testées et on va les entraîner, on va leur apprendre à travailler ensemble, évidemment, mais à développer un maximum d'éviter, par exemple, la procrastination, hein, parce que les tâches qu'ils doivent faire ne sont pas toujours très jojo, hein, ce n'est pas toujours très comique. Il y a beaucoup de tâches administratives quand même, hein. Ils doivent rapporter, ils doivent constamment rapporter, ils doivent constamment ben, écrire et apprendre. Donc, il y a toute une... Et ce n'est pas toujours comique et amusant, quoi, hein. Donc, ils doivent vraiment développer cette autodiscipline qui est très très forte chez tous les astronautes, Salut José. de pouvoir donc se concentrer, se focaliser sur des tâches qui sont pas toujours leurs tâches favorites. J'ai une question. Oui. Comment tu sais autant de choses sur comment leur vie, c'est quoi, c'est de l'intérêt en plus, puisque finalement, toi, tu travailles avec eux, mais donc tu as quand même un véritable intérêt. En fait, en plus de mes fonctions au centre d'études nucléaires, je suis prof, hein, je suis prof à l'université de Louvain et prof à l'université de Gand, et je donne cours de médecine spatiale et de biologie spatiale depuis 12 ans. D'accord. Et donc, je forme les étudiants en master à devenir des spécialistes dans ce domaine-là, notamment. Il y a beaucoup, tu as beaucoup d'étudiants? Pas énormément, en fait, les recherches spatiales, je préférerais en avoir beaucoup plus, mais on compte en dizaines, mais c'est pas des centaines ou des milliers d'étudiants. Donc, il y a d'abord très peu d'universités qui donnent ces cours. Bon, ici, c'est Louvain et Gand. Il y a l'université de Liège aussi qui donne un master, qui organise un master, l'université l'ULB aussi qui organise un master, mais il y a relativement peu d'universités, même en Belgique, qui offrent ces masters et qui offrent ces Et formations. donc il y a une carence, de nouveau, c'est des métiers en carence, quoi. Il y a plus de Il y a postes très que de oui. profils disponibles, quoi. Justement, en parlant, on continue sur les astronautes. Oui, Pascal pose une question. Est-ce que les astronautes sont des gens normaux? ben oui, ce sont des gens normaux, mais ce sont des gens normaux qui sont à la base effectivement très 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 intelligents. Ils sont aussi sélectionnés pour tout ce qui est pour leur humilité, leur caractère, leur facilité de caractère, bon caractère. En fait, quand on tous, enfin, tous les astronautes Un peuvent colérique, relativement rapidement mis de côté, quoi. Un colérique, éventuellement, un astronaute peut être colérique, mais il doit pouvoir se contrôler. Et donc, ils apprennent à se contrôler. Et ils apprennent, ils sont formés, enfin, à quelque chose qui m'avait frappé. Je me souviens, lors d'un événement où j'avais invité Frank De Wynne, il m'avait dit, écoute, tu programmes ce que tu veux pendant toute la journée, je suis à ta disposition, je viens toute la journée. Donc, je lui avais programmé 13 événements. Événements avec les étudiants, avec les enfants, avec les journalistes, avec différents scientifiques, et puis quatre conférences qu'il devait donner le même jour. Enfin, donc il avait un programme extrêmement chargé. Il m'avait donné feuille blanche, donc carte blanche. Donc j'ai suivi ça. Et à un moment, donc il est extraordinaire, extraordinaire, gentil, doux, extraordinaire, très humble, très simple. Et puis à un moment, je crois qu'il y a une journaliste qui lui a posé une question et ça l'a un petit peu embêté. Et puis il a dit: là, maintenant, il me faut une pause. Et alors qu'il avait vraiment. Et c'est le seul moment où j'ai vu bon, si, qu'il en avait assez, qu'il en avait eu assez et il a eu besoin d'une pause pendant quelques minutes. Mais donc là, je me disais, c'est vraiment un surhomme qui, d'abord,
très ouvert Donc à... ils sont normaux, mais au-dessus de la moyenne dans tous les postes de normalité, en fait. Eh bien, Thomas Pesquet, il expliquait autre chose, justement. Tout à l'heure, on disait quelqu'un qui était sur Popcorn. Lui, il a dit qu'il était excellent en rien, mais qu'il était bon dans énormément de choses. Ben, quand on voit, ben oui, Thomas Pesquet, il est ingénieur aéronautique hein, de formation. Il connaît six langues, donc c'est pas six langues. Il pratique sept sports. Il est ceinture noire de judo. Il fait de la plongée, de l'alpinisme, de la voile, enfin, du rugby. Il fait plein de sports. Il est, oui, effectivement, il a cet avantage parce qu'en fait, ils doivent être vraiment multidisciplinaires, hein, les astronautes. Ils doivent apprendre d'abord comment chacun des appareillages doit fonctionner. Ils doivent fonctionner, ils doivent apprendre très vite, apprendre, retenir. Hein, ce qui est aussi, donc ça, c'est aussi, ça fait partie des thèses de sélection, hein, que leur capacité d'apprentissage est très importante. Et de mémorisation, de pouvoir fonctionner aussi en trois dimensions, de réfléchir en trois dimensions. Donc tout ça, c'est... Et aussi leur caractère, en fait. Ce sont des gens, personnellement, je trouve très, très doux. Très doux aussi, Mais très... donc c'est vraiment, c'est ça. Donc c'est vraiment dans la sélection, on prend des gens qui sont humbles, qui sont apaisés. Oui, et qui ont pas l'air, qui donnent pas du tout l'impression d'être compétitifs, qui donnent pas du tout l'impression de marcher sur les pieds des autres et de marcher sur les plates-bandes et d'écraser les autres. Pas du tout. Ce sont vraiment des caractères qui s'entendent avec tout le monde, en fait. C'est Alors pas du tout des gens justement, très dominants. à quoi elle demande, comment évoluent les relations entre les personnes dans la station au fur et à mesure du temps? Est-ce qu'il y a des études qui tendent à Oui. montrer que les relations ont tendance à se renforcer, se dégrader, que ça se renforce pendant 6 mois, mais à partir du 9e, ils s'automutilent? Enfin voilà, je ne sais pas. Oui, donc en fait, il y a beaucoup de recherches au niveau psychologique qui ont été effectuées hein, quelle est la meilleure composition d'une mission. Ici, on parle pour Mars, on parle d'une mission d'un équipage de 6 personnes mixtes. Hein, mixte au niveau nationalité, mais aussi au niveau donc, culturel et donc homme-femme. Mais effectivement, il y a beaucoup d'études qui ont montré que quelque chose, des caractères qui peuvent très bien s'entendre au début peuvent devenir problématiques à terme, spécialement dans des conditions de confinement très fortes. Ça, on a vu dans des expériences et dans des missions, notamment des missions russes. Alors, ils ont aussi une manière qu'ils développent dans leur entraînement aussi de rejeter vers, de trouver, donc de rejeter leur agressivité éventuelle ou leur pensée négative, notamment vers le mission control, vers le contrôle de la mission, donc vers la base, vers la Terre. Hein, donc, très souvent, leur manière de verbaliser, d'exorciser leur mauvaise pensée, c'est vraiment de s'énerver, plutôt que de s'énerver à l'intérieur de l'ISS, de s'énerver sur le contrôle de la mission. Ce qui est assez malin, ce qui est assez malin. Ce qui est assez malin et ce qui est en fait très intelligent, en fait. Oui, très intelligent parce que ça permet de ne pas mettre à risque l'équipage, en fait. Et de peut-être dire des choses qui vont peut-être blesser énormément et qu'on pourra plus, qui seront difficiles après à récupérer ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment une manière de trouver vers l'extérieur une source de verbaliser vers l'extérieur et pas à l'intérieur. Ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement connu. Mais effectivement, au niveau mental, au niveau psychologique, ça va être un énorme stress de pouvoir rester pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça demande en fait vraiment au niveau du profil psychologique des certaines caractéristiques en fait. Quand on regarde de ce que j'ai vu dans la station belge Princesse Elisabeth, on voit des gens, mais là c'était uniquement des gens qui allaient pendant l'été, donc ils vont quelques mois. Quand on va quelques mois, c'est pas encore la même chose que puisqu'il fait jour toute la journée, 24 heures sur 24. En fait, on voit pas le soleil s'abaisser, donc juste à la fin de la saison. Mais sinon, il fait beau, il fait relativement beau. Hein. Il peut y avoir des grands vents et jusqu'à 240 km par heure, mais en général, avec les vues satellites, on sait qu'il va faire mauvais. Mais quand il fait beau, il fait absolument fabuleux et époustouflant.
Mais donc les gens qui vont dans la station belge sont vraiment le profil psychologique. Ce sont des gens qui aiment bien pousser les limites, pousser les limites naturelles, hein, donc qui sont des gens qui sont en général aventuriers, qui aiment bien essayer des nouvelles choses qui peuvent présenter des risques, qui ont besoin de ça pour avancer. Donc ça fait partie de leur profil, mais en général, ce sont des gens qui sont très sociables, qui vont s'entraider. Et ça, je pense que ça fait aussi partie du profil des astronautes. Ce sont des gens qui sont très sociables, qui vont s'entraider, qui ont de l'empathie, et puis qui sont prêts aussi quand quelqu'un va devenir commandant. Donc, je suppose quand Thomas Pesquet va devenir commandant, à ce moment-là, tout va se changer. Donc, il va devenir la personne qui est responsable. Donc, il va donner des ordres et les autres vont devoir suivre. Et donc, ils sont aussi formés pour ces changements de commandant, pour devenir commandant, pour accepter les règles. On parle très souvent dans notre société d'apprendre le leadership, hein, d'apprendre à devenir un bon manager, d'apprendre à devenir un bon leadership. Mais ce qui est aussi important, c'est le fellowship. De pouvoir apprendre à suivre et Ouais. d'accepter de suivre, qui est parfois tout aussi important en fait, de suivre des instructions Et et donc, de en fait, pour aimer. y a pas vraiment, y a pas vraiment de dégradation de la relation parce qu'on prend des gens qui sont une infime minorité, mais qui sont capables d'éviter que les conflits dégénèrent, en fait. Oui, et Parce on que leur si, apprend toute une sinon, série quoi qu'il de règles. arrive, ça va dégénérer. Et on leur apprend toute une série de règles pour éviter que ça dégénère. Hein, Tout on à les fait. forme. Et donc, ce que Frank De Wynne m'avait dit, c'est qu'il est formé. Il est formé pour. Il est entraîné, formé. Il passe des mois ensemble. Faut pas oublier. Bon, Thomas Pesquet, il a postulé Il en. a mis 8 ans, hein, Oui, avant de voler. voilà. Il a mis 8 ans. Il a été formé pendant 8 ans. Et en général, il passe au moins 10 ans à être formé. Donc, c'est au niveau technique, mais aussi au niveau mental, au niveau et toutes ces formations, Et c'est. là, il est aux États-Unis pour la mission depuis le mois de juillet. Oui. Il est. Oui. Effectivement, et il communique. Sont aussi de très bons communicateurs, en fait, hein, qui est toujours en douceur, en simplicité, Oui. il n'y a pas d'arrogance, en fait. Il n'y a pas d'arrogance quand on voit ces messages d'astronautes. J'en suis énormément, en fait, moi, sur les médias sociaux, ça me frappe, quoi. Toute cette gentillesse, cette C'est simplicité. un bon. Ça ne ressemble pas au film américain où on voit les Russes et les Américains, enfin, qui sont même dans l'espace, qui arrivent à avoir de l'attention. Il y a une question dans le chat, enfin, parce qu'on a un peu. Il y avait plusieurs questions. Il y a Est-ce beaucoup qu'on de peut questions. fumer? Est-ce qu'on peut fumer dans l'espace? Les gens ont demandé plusieurs fois. Non. Officiellement, non. Ouais. Alors, j'ai une très bonne question qui en amène une deuxième. Est-ce qu'il y a déjà eu des couples dans l'espace? Et du coup, Oui. est-ce qu'il y a eu déjà un rapport sexuel recensé? Parce que ça doit être sportif en Alors, apesanteur. un seul couple marié, Jane et Davis et Mark Lee, ils ont été envoyés dans la même mission, mais ils n'ont pas eu de rapport pendant la mission. Oh. Et il y Alors, a eu c'est un une mariage question qui est aussi. fascinante, hein. C'est une question qui est Alors, fascinante. il y a eu un mariage aussi entre le commandant de la station spatiale internationale Yuri Malachenko, un cosmonaute russe, et Ekaterina Dmitriev, citoyenne américaine texane d'origine russe. Ah, parce que Donc, j'allais en dire, fait, avec son nom, c'était pas évident qu'elle soit américaine. non. Mais non, mais autour de la sexualité, il y a plein de questions, hein. Ah bah Toute sur la même. les longs trajets en 0G, ça risque d'être compliqué. Enfin, après, voilà, c'est mais Bon, alors au effectivement niveau ça. scientifique, je vais vous parler du niveau scientifique. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été effectuées pour comprendre si une colonisation vraiment depuis le la la la, la depuis les rapports sexuels jusqu'à vraiment la naissance, hein, serait possible au niveau humain. Hein. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont effectuées, pas chez l'humain, mais sur différents types d'organismes et d'animaux, quoi.
Alors, il y a des études qui ont été effectuées chez les rats, aussi chez les chiens. Ça, c'est plutôt du côté russe. Les Russes, avec le chien Laika, hein, ont beaucoup utilisé les chiens pour l'expérimentation spatiale, alors que les Américains, c'était plutôt des chimpanzés et des petits singes. Mais donc, au niveau des rats, au niveau d'expérience chez les chiens, on sait qu'il y a quand même une forte diminution de tout ce qui est production hormonale masculine. Hein, donc, les hommes en général et aussi des études qui ont été faites chez les astronautes des missions Apollo, parce que les missions Apollo, en fait, c'était assez diffusé au niveau de l'information, il n'y avait pas de Et ça, production c'est la masculine. pesanteur, les radiations, les deux? Au niveau de production au niveau de endocrinien, je pense que c'est surtout la pesanteur, hein, la pesanteur qui va avoir des effets moléculaires, comme elle peut avoir une diminution de la production des cellules musculaires et l'ostéoporose, ben elle va avoir un effet endocrinien au niveau de la production des hormones de certains types d'organes. Et Et donc, puis les aussi, hormones. par rapport aux testicules, comme elles sont plus, elles ne sont plus attirées vers le sol, elles se rapprochent, à mon avis, du corps et donc elles doivent se réchauffer, alors que les testicules sont à l'extérieur Mais pour, simplement au niveau des organes, il peut y avoir des ouais. différences de production d'hormones. Donc ça c'est reconnu, c'est connu qu'il y a une forte diminution des hormones sexuelles. Et donc il y a aussi une diminution de la libido. En fait, ça c'est ce qu'on sait uniquement des missions Apollo. Parce qu'après les missions Apollo, il n'y a plus rien qui est sorti et qui a filtré comme information, mais c'est une information du programme Apollo. Et aussi, donc ce qu'on sait aussi au niveau de, si on regarde maintenant au niveau des expériences animales, hein, souris, rats, chiens, qu'on regarde au niveau, par exemple, de la production des spermatozoïdes ou de la composition et des testicules, on voit une forte diminution. Des spermatozoïdes. Donc ça, c'est quelque chose qui est Donc, connu aussi. quand on t'écoute, on se dit que c'est pas gagné, hein, la colonisation de l'espace. Et alors, donc, ça, c'est le fait, déjà, il faut aller quelque part. Alors, aller Mais quelque attends, part, c'est déjà pas Raph, simple, oui? on pourrait aussi, parce qu'on a parlé des hommes, mais pour les femmes, ce qui est intéressant de lire, c'est que pour l'instant, comme pour les femmes, on ne sait pas vraiment, elles prennent la pilule pendant tout le temps qu'elles sont dans l'espace et donc elles n'ont pas de règles. Donc Oui. pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites sur les règles dans l'espace. Sur le cycle menstruel de la C'est femme, ça. effectivement, on leur conseille très vivement de prendre la pilule pour éviter. C'est au niveau cosmétique et au niveau organisationnel, c'est très compliqué, hein, d'avoir des menstruations En en apesanteur. apesanteur, tout à fait. Donc, Alors justement, moi, il y a... niveau d'hygiène, en fait, c'est parce que les règles d'hygiène sont très très compliquées. Tout est compliqué, hein, de se laver, c'est compliqué de se raser pour les hommes, de se couper les cheveux. Tout ça est très très compliqué puisque bon, on a le risque d'avoir des poils qui flottent. Donc tout est de se laver, c'est très très compliqué. Si vous êtes un petit peu, si vous avez suivi un petit peu, c'est tout un protocole en fait. Se laver prend énormément de temps dans En fait, il n'y a l'espace. rien de facile dans l'espace. Non. Non. De faire sa Et toilette, ça prend comme énormément disait tout à l'heure José, en fait, l'homme n'est pas fait pour aller dans l'espace. de temps. Mais en fait, j'adore cette photo. Tu as un cerveau, une moelle épinière et un système nerveux. Et il dit, This is us. Le reste, c'est un costume qui est adapté, c'est un bodysuit adapté à la vie sur Terre. Et effectivement, et donc merci pour cette super transition, parce que c'est une des questions que je veux. Voilà, là on se prépare pour la Lune pour aller sur Mars. Un, quels sont les grands problèmes sur Mars? Et deux, est-ce que 66% de gravité, c'est suffisant? Ça veut dire qu'après combien de temps tu peux plus revenir sur Terre? Et pourquoi Mars? Pourquoi pas Titan? Pourquoi pas Vénus? Certains disent qu'on pourrait vivre assez facilement en hauteur, parce que la pression, enfin voilà, il y a différentes thèses que je trouve bizarres et que je ne connais pas. Mais en tout cas, on parle parfois de Titan. Très rarement de Vénus, mais j'ai vu toute une série de choses qui se tiennent à moitié debout, mais qui parlent de ça. Donc voilà, pourquoi Mars? Pourquoi Pourquoi ceci? Mars? Parce que Mars, c'est déjà de tout le système solaire, c'est celle qui est la plus accessible et c'est celle qui est la moins, je dirais, inhospitalière pour nous terriens, quoi. Et ça, c'est aussi, Mars, c'est aussi une planète qu'on appelle la planète sœur de la Terre.
Donc, c'est une planète qui est née à la même date, qui a évolué différemment. Comme bon, on peut suivre aussi ses changements heure par heure. Donc, on a quand même suivi son évolution relativement bien et on peut se rendre compte de tout ce qui se passe. Donc, c'est assez intéressant, en fait. Et on est aussi fasciné, l'humanité est aussi fascinée de répondre à la question, y a-t-il de la vie sur Mars? C'est vraiment une question essentielle, ce qui est tout à fait envisageable, hein, puisqu'il y a eu de l'eau qui a surgi du sol de Mars par le passé et qu'il y a de la glace abondamment qui est présente. Et donc, il est envisageable de pouvoir trouver une forme de vie rudimentaire. Alors, cette forme de vie rudimentaire, est-ce que ce serait des acides aminés? Est-ce que ce serait des bouts de cellules, de Le l'ADN, blob. le blob? Oui, voilà. Est-ce que ce serait quelque chose qui vit encore maintenant ou est-ce que ce serait une forme fossile? Donc, tout ça, ce sont des questions qui nous intéressent très fort. Mais Et donc la vie sur Mars serait plus facile que dans l'espace profond, mais pas non plus, enfin quand même vachement plus rude, il y a énormément de radiation, comme tu disais, les quantités de radiation sont stratosphériques, donc c'est pas demain, enfin voilà, déjà oui, mais aller mettre un humain dessus, ça va en être même temps, compliqué. si on arrive sur la Lune, si on arrive à déployer vraiment toutes les technologies, parce que la Lune va être vraiment un tremplin pour aller vers Mars, bien, il ne faut pas beaucoup, beaucoup plus d'énergie pour envoyer des hommes sur Mars, parce que les technologies seront développées pour la Lune. Donc, y a vraiment une forte proportion de gens qui travaillent dans le domaine spatial, qui disent oui, une fois qu'on a les technologies pour la Lune, Et donc la on Lune, peut. c'est une aubaine et il va y avoir un monde de fous cette décennie sur la Lune, en fait. Si on n'est pas sur la Lune pendant cette décennie, on est pas in, ou... J'avais entendu qu'il y avait près de, je crois, 34 missions déjà planifiées, dont 4 privées sur Oui, la prochaine décennie. et puis le message, le nouveau directeur général de l'Agence spatiale européenne, Ash Baker, a annoncé très récemment qu'à la fin de cette décennie-ci, il espère qu'on sera sur Mars avec un village lunaire, quoi. Donc vraiment, il y a vraiment, il a, bon, il y a vraiment une, il y a vraiment une, Une un, émulation? une émulation qui, oui, effectivement, qui n'est pas uniquement européenne, mais qui est aussi énormément américaine, mais il y a Et une asiatique, émulation parce que... très, très forte. Et l'espace est aussi un projet fédérateur. Et aller vers Mars, c'est vraiment un projet universel. Je dirais, ces dernières années, il y a vraiment un grand changement qui s'est opéré. C'est vraiment cette mouvance vers la Lune et vers Mars. Bon, Trump a d'abord parlé de cette armée spatiale, dont cette force spatiale. Et puis, quelques mois après, moins d'un an après, il a parlé de boots on the moon, donc les bottes d'astronautes sur la Lune. Et puis, le directeur général de l'ESA à l'époque, Yann Werner, a dit mon programme, ce sera de développer un village lunaire, sans dire quand. Et puis maintenant, le directeur général de l'ESA vient d'annoncer que pour lui, il espère et il va tout mettre en place pour qu'on ait un Moon Village à la fin de cette décennie. Et donc, avec tout ça accélère les avancées technologiques énormément. Toutes ces décisions qui sont prises, ce sont des décisions universelles et qui demandent de maîtriser l'énergie, qui, de manière innovante, on parlait du trajet, de faire ça le plus rapidement possible, qui demandent aussi de gérer des ressources rares de manière efficace, recycler l'air. L'air va devenir très rare, évidemment, recycler l'eau, recycler des déchets, progresser aussi au niveau de la robotique, hein, de progresser rapidement. Donc, toutes ces technologies vont vraiment donner naissance à des nouveaux secteurs qui vont avoir une influence sur Terre. Et aussi, on parlait de l'intelligence artificielle qui est en pleine explosion pour l'instant et qui est importante. Et puis après ça, Mars n'est pas très loin de la ceinture d'astéroïdes de notre système solaire. Et donc, si ces bases permanentes une base permanente est développée sur Mars, ben, les astéroïdes ne sont pas très loin. Et On pourrait les voilà. miner.
Et on pourrait, oui, voilà, et on pourrait les miner. Il y a le Luxembourg, le Grand-Duché de Luxembourg a développé carrément sa stratégie à terme de minage, hein, de minage de tous les astres, de tous les astres célestes et du corps céleste et des planètes, hein. Les États-Unis aussi a une forte stratégie dans ce domaine-là. Sarah, tu parlais aller d'un projet universel. Tu as beaucoup parlé des Américains, de l'ESA, on a parlé des Russes, tu as aussi un peu cité les Japonais, mais on ne parle pas beaucoup des Chinois, on ne parle pas non plus des Émirats arabes unis qui se sont placés aussi dans la conquête spatiale, les Indiens. Est-ce que là, est-ce que c'est aussi. Parce que Thomas Pesquet, lui, disait que, on n'irait pas sans Mars si tout le monde ne se met pas ensemble parce que ça coûtera beaucoup trop cher pour. Voilà. Ben Mais on le voit est-ce qu'il y a des maintenant, contacts quand même bien sûr. avec les Chinois et les Indiens? Oui, hein, donc l'expérience, les Chinois travaillent beaucoup avec les Nations Unies, en fait, ils s'ouvrent pour qu'on travaille de plus en plus, que les autres pays travaillent de plus en plus avec eux. Donc, donc par exemple, la station chinoise devrait être opérationnelle à partir de 2025, et l'expérience dont je vous ai parlé, Tumors in Space, donc les tumeurs dans l'espace, c'est une expérience qui a été sélectionnée, qu'on a soumise, qui a été sélectionnée par les Nations Unies pour voler dans la station spatiale chinoise. D'accord. Ça montre vraiment une C'est ouverture. chouette, ça. En plus, même pour toi, c'est bien. Non, Oui, c'est tout à fait. intéressant. Mais on voit les Émirats arabes unis qui développent à une vitesse extraordinaire leur potentiel spatial. Hein, puisqu'ils ont envoyé la sonde Hope, qui est autour de Mars, donc c'est extraordinaire, ça, en l'espace de quelques années. Bon, ils ont été formés chez les Américains, mais ça reste, en l'espace de quelques années, extraordinaire. Israël, qui se développe aussi très vite. Donc, c'est plus uniquement la Chine, l'Inde, c'est vraiment même des petits pays qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Donc, ça ne devient plus l'apanage uniquement, effectivement, des grandes puissances, mais aussi des petits pays qui arrive à développer très Et rapidement est-ce des qu'il n'y a connaissances. pas de crainte qu'on réitère un peu les erreurs qui ont été commises pendant la guerre froide? Je pense que oui, effectivement, sur les nations, il va falloir que tout ça au niveau légal, au niveau des droits, que tout ça soit bien discuté, décidé. Mais vous savez, par exemple, sur Terre, on a le traité de l'Antarctique, hein, qui est un traité qui vise à ne pas miner, utiliser les ressources. Qui commence à être quand même à se fêler, hein. Mais c'est très difficile de le garder, puisque les C'est le aimeraient. fameux, c'est le fameux, la fameuse blague des six chemises. C'est deux gars dans un bar et il y en a un qui est vraiment complètement en sous et qui lui dit, si tu avais six maisons, tu me donnerais six maisons. Et t'as l'autre qui dit, bah oui, je te donnerais une maison si j'avais six maisons. Et puis 5 minutes après, il lui dit, si tu avais six voitures, tu me donnerais une voiture. Il fait, bah oui, évidemment, si j'avais six voitures, je te donnerais une voiture. Et puis 10 minutes après, il fait, dis, si tu avais six chemises, tu me donnerais une chemise. Il fait, bah non. Il fait, oh, pourquoi? Il fait, parce que j'ai six chemises. Et donc, évidemment, dire que c'est du bien commun à tout le monde quand ça n'intéresse personne et que ça ne vaut rien parce que c'est de la cède dormante. Et puis tout d'un coup, ça devient quelque chose de valorisable. Et là, tout d'un coup, c'est à tout le monde, mais c'est un peu à moi, quoi. Oui, et donc c'est vrai que les nations risquent de reporter un petit peu des conflits, notamment pour la gestion des matières premières sur les corps célestes ou sur la Lune. Est-ce que, puisque le traité de la Lune dit que la Lune n'appartient à personne, est-ce que des matières premières qui sont extraites de la Lune, qui font plus vraiment partie de la Lune. Est-ce qu'elles appartiennent encore à la Lune? Enfin, il y a toute une série de processus légaux qui sont très compliqués. Mais c'est vrai qu'au niveau des nations, il y a un risque potentiel de conflit, quoi, ou en tout cas de vision, de vue qui sont pas les mêmes. On le voit déjà maintenant pour le traité de la Lune et tout ce qui concerne le minage, hein. Ouais. Alors, il y a une question qu'on a un peu oubliée, mais je voudrais quand même te poser. Où est-ce qu'elle est? C'est la question d'Anne. Je l'ai retrouvée. Alors, Est-ce qu'on entre-temps, étudie la biostase?
Donc le fait de l'hibernation, c'est des choses qui sont étudiées quelque part ou pas du tout? Ben, c'est une très bonne question parce qu'en fait, diminuer le métabolisme du corps est vraiment une possibilité de ben, d'abord de faire des voyages à long terme en étant en état de métabolisme fort, fort diminué, quoi. Et donc de pouvoir être en torpeur, en état de torpeur. Ou en état de semi-hibernation, quoi. Donc il y a des études qui sont effectuées et qui sont vraiment des études très intéressantes. Il y a même un groupe qu'on appelle Topical Team, une équipe topique spécifique sur tout ce qui est hibernation et torpeur. Donc de vraiment étudier comment eh bien, les organismes peuvent passer d'un état éveillé à un état de torpeur ou à un état en hibernation. Et est-ce qu'on pourrait faire entrer l'humain en état d'hibernation. Donc, il y a vraiment des études qui sont effectuées là-dessus pour le spatial. Parce que, et on le voit en radioprotection, ça a même un sens. Parce que si vous comparez des cellules d'un animal en hibernation versus un animal qui est éveillé, eh bien, quand vous irradiez des cellules, ces cellules de ces animaux, eh bien, vous allez avoir une différence entre les deux. Et donc, il semble que les cellules de l'animal qui est en pleine hibernation sont plus radiorésistantes. Donc, si ça permet d'avoir si on diminue le métabolisme et qu'on augmente la radiorésistance, ben, ça peut être très intéressant pour des missions spatiales à long terme. Et en parlant de mission à long terme, quelqu'un parlait, je ne sais plus qui c'est, d'un test qu'on voudrait faire de gens couchés pendant 3 mois. Oui, c'est ce qu'on appelle les bed rest. C'est des un autre nom. Enfin bon, ça s'appelle le bed rest. Donc ce sont des études alitées, mais pas n'importe comment. Les gens sont alités avec les jambes plus hautes que la tête. Donc hein, il y a une différence, hein, une inclinaison d'environ 6 degrés. Et qu'est-ce que ça va simuler en fait la microgravité, les effets de l'apesanteur. Je vous expliquais qu'en apesanteur, eh bien, les fluides corporels comme la lymphe et le sang se déplaçaient plus vers la partie supérieure du corps. Et donc, quand on place ces gens pendant plusieurs semaines en apesanteur simulée, en bed rest, en position alitée, eh bien, vous allez stimuler cette ostéoporose, vous allez stimuler ce vieillissement accéléré au niveau immunitaire, et donc stimuler cet affaiblissement du cœur, parce que le cœur, c'est une pompe qui est efficace et qui est habituée, effectivement, à fonctionner contre la force de gravitation, puisque le cœur envoie le sang vers le cerveau contre la force de gravitation. Et donc, quand vous placez une personne de manière dans cette position alitée ou dans des conditions d'apesanteur, eh bien, le cœur ne doit plus pomper aussi fort le sang. Et il ne doit plus lutter contre cette force de gravitation. Et comme le cœur est un muscle, si ce muscle est moins utilisé et doit Il être moins fort, en s'affaiblit. fait, le cœur diminue, s'atrophie, se diminue en taille et s'affaiblit. Et donc, ce dont vous parliez tout à l'heure, le fait que Thomas Pesquet n'arrivait pas à se lever quand il atterrit et qu'on doit le porter, ben c'est l'intolérance orthostatique et ça vient vraiment non seulement de cette ostéoporose, mais surtout du fait que vous avez, au moment de l'atterrissage, le fait que tout le sang va se redistribuer normalement, comme il se distribue avant sur Terre, et ça produit un choc. Et ça produit un choc comme parfois quand on se réveille, quand on est alité, qu'on a dormi, qu'on se réveille, qu'on se lève très rapidement. On peut avoir la tête qui tourne. Eh bien, c'est vraiment ça, mais fortement amplifié chez les astronautes. Question en même temps, est-ce que l'oreille, comment ça se gère l'oreille interne dans l'espace au Alors, l'oreille départ? interne, elle fonctionne. Donc, sur Terre, l'oreille interne, elle fonctionne avec ce qu'on appelle des petits cristaux qu'on appelle des otolithes. Et ces otolithes, en fait, ils se déplacent en fonction du mouvement de la tête. Donc, si la tête se déplace vers l'avant, ben les petits cristaux se déplacent vers l'avant et ça va induire un signal qui nous donne une idée
de notre position, hein, qui nous donne une idée de la sensation de notre position, si notre corps va vers l'avant, ou si on est droit, ou si notre corps va vers l'arrière, hein, ou si on se déplace. Et en apesanteur, eh bien, ces cristaux flottent. Donc, quand l'organisme est en mouvement, ben, ces cristaux qui continuent à flotter ne donnent plus d'informations par Et rapport il au niveau flotte comme le corps. Ah oui, Et c'est ça. En fait, c'est la même chose. flotte dans l'oreille interne comme le corps. Et donc, l'information qui vient normalement du corps, qui va informer le corps que, dans la, de la position dans laquelle il est, elle n'est plus là. Donc, l'information, elle vient essentiellement des yeux. Des yeux. Et au niveau proprioceptif, c'est-à-dire ce que le corps va ressentir quand il se déplace, bah, quand on flotte, ça va être très différent de ce qui se passe sur Terre lorsqu'il bouge, quoi. Ça va être très, très différent. Et donc, vous avez des systèmes qui perturbés, comme notamment à cause de ces otolithes qui flottent. Donc, les astronautes doivent développer très rapidement, en apesanteur, ce système pour éviter les nausées, de ne pas bouger la tête trop rapidement. Par exemple, C'est cette ça. nausée qui peut venir pas de la pesanteur, mais par exemple des mouvements qui sont diffus entre ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, et deux mouvements, par exemple, les mouvements de l'eau et le mouvement dans un bateau, qui peuvent rendre les gens un peu malades. Donc cette nausée, elle peut être fort, fort accrue et fort, fort présente. En fait, elle est très fort présente. 70% des astronautes souffrent de cette nausée. Et donc, ils doivent apprendre très, très vite, lorsqu'ils arrivent en condition d'apesanteur, à déplacer très lentement leur tête pour ne pas avoir cette nausée. Parce qu'en fait, c'est comme dans la voiture, quand on a une nausée, des nausées dans la voiture ou dans le bateau ou dans un train. Le meilleur moyen d'éviter la nausée, c'est de bouger sa tête très, très lentement et de ne pas la bouger si possible. Donc, Et ils donc, apprennent. tout à l'heure, tu disais que Thomas Pesquet allait tester des masques, hein, ou des casques virtuels. Ça va être quelque chose. Parce que déjà, comme ça, pour l'oreille interne, c'est quelque chose sur Terre. Oui, et alors cette réalité virtuelle, c'est vraiment, d'abord, c'est pour pouvoir les mettre comme s'ils étaient dans leurs conditions naturelles, donc leur environnement naturel, de faire du vélo, leurs 2 heures et demie de vélo, de course et tout ça, avec éventuellement ce casque qui leur permettrait de éventuellement croire ou d'imaginer qu'ils sont chez eux, ou dans leur environnement habituel chez eux, par exemple. Ce Mais qui aussi, marche ça très va. bien pour l'impact psychologique, parce que c'est comme ça qu'ils soignent les grands brûlés dans certains cas d'ailleurs, et apparemment ils ont des très très bons résultats, meilleurs qu'avec les antidouleurs en fait. Ils Ah, mettent, ça fait ça très très oui, ils tout à fait. mettent, ils mettent un casque avec de la montagne enneigée, des barrières de boules de neige, et en fait, pendant l'expérience, le grand brûlé ressent moins fort la douleur que quand il est sous antidouleur puissant. Et Le donc seul risque, j'imagine ça c'est doit. oui, effectivement. Mais le seul risque, c'est qu'ils ne veulent plus revenir à la réalité, qu'ils veuillent rester dans cette réalité virtuelle et garder ce casque tout le temps et ne plus communiquer avec le reste de l'équipage et de Oui, vivre mais ça, tu sais, on ça. dit la même chose des jeux vidéo. Et Oui. en fait, il y a plein d'études qui prouvent qu'en fait, ça va. Oui. Et donc l'objectif de toutes ces expériences de réalité virtuelle, je pense que c'est d'apprendre à faire fonctionner avec les yeux différents types d'équipements et d'appareillages. Et donc, ce serait en vue des futures missions lunaires et martiennes, de vraiment faire piloter des robots avec les yeux. C'est ça. Et donc, ça, ce sera, je crois, une émission, un des 12 travaux de Thomas Pesquet. C'est pas les plus. Bonsoir Amsans, merci pour le follow. Alors, Raph, est-ce que tu as encore des questions? Écoute, moi j'arrive doucement au bout. Moi, j'en ai encore une. Ah ah! Je vous ai La une question. dernière question, la ultima. L'air de rien, comme ça, ça fait quand même un petit moment qu'on est en route. Hein. Ça, je ne suis Deux pas heures et demie. certain que tu aies vu le temps passer. Non, j'ai pas vu. Je ne T'as sais pas. vu, tu vois? Oui, Je t'avais voilà, dit, mais on perd un peu le temps c'est sur. aussi pour ça que je le dis, puisque Sarah nous avait dit qu'elle était un peu fatiguée et que ça fait déjà 2 heures et demie. Et donc C'est moi vrai? j'ai. Là. Ok. Voilà. Oui, ok. Et donc,
J'avais encore une question. Je ne sais pas, Raph, si tu en as encore, toi? Non, il y en a beaucoup dans le chat, on n'a pas su les faire Non. toutes et voilà, mais j'ai trouvé, voilà, donc on Moi, conclura après, vas-y. Donc, toi qui fais de la recherche en Belgique depuis plus de 20 ans et qui dépend donc de Belspo, c'est une question politique. Dans 2 semaines, je reçois Thomas Dermine ici le mercredi. Ah, fantastique, fantastique, Le mercredi 5, comment est-ce qu'on a vécu le changement du passage de la NVA à Thomas Dermine à la tête de la recherche scientifique? Bah, Thomas Dermine a donné un exposé la semaine passée. J'avais organisé une conférence sur les 60 ans de l'anniversaire des 60 ans de l'exploration humaine, hein, avec le premier vol de Youri Gagarine. Ça, c'était lundi passé, ça faisait 60 ans. Et Thomas Dermine, très très gentiment, a proposé de venir donner le discours du début de la conférence. Et d'abord, il est passionné par l'espace, donc il est extrêmement intéressé. Et juste après lui, le directeur général de l'ESA donnait son exposé. Et donc le message de Thomas Dermine, c'était de dire que bien, le gouvernement de maintenant va tout faire pour pousser cette recherche spatiale. Non seulement ça, mais que nous espérons énormément que dans le recrutement des astronautes, il y aura dans les prochains astronautes qui vont partir vers la Lune, qu'il y aura un astronaute européen avec un drapeau belge. Donc, c'était un message très puissant. Donc, on est en train de se préparer maintenant. Mais ça ne répond pas à ma question, tout ça. Entre NVA et. Donc, le message est très positif. Non, mais ce qui veut dire. Ça répond indirectement. Ça veut dire. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce qu'il a dit? Ça veut dire que la contribution belge au programme spatial, je pense, va continuer à augmenter. Que le gouvernement en place et Thomas Dermine en particulier aimerait stimuler et va faire tout ce qu'il peut pour stimuler cet environnement, qui est un environnement qui pousse. Il ne faut pas oublier en fait que 1 € qui est mis dans la recherche spatiale ramène et rapporte 5 € au gouvernement belge. Donc l'argent All in. qui les Moi je le dis, mettons tout. budget. Le budget qui est le budget que chaque pays met dans le spatial rapporte. C'est pas le spatial ne coûte pas. Le spatial rapporte en termes d'innovation et en termes de technologies qui sont par après implantées dans d'autres domaines. Donc le spatial rapporte, mais ça coûte quand même. Il y a quand même une contribution. Mais donc pour chaque euro de coût, il y a environ un rapport de 5 parfois, même parfois des études qui montrent C'est comme le Tour de France. plus. Voilà, donc c'est vraiment un domaine dans lequel ça vaut la peine d'investir, mais aussi au niveau des industriels, parce qu'il y a vraiment un rapport et un retour sur Terre et sur les technologies innovantes sur Terre qui est très très important. Voilà ma réponse. Et ben voilà, Bah, c'est ben c'est super. très bien. En tout cas, Un énorme merci, Sarah. C'était vraiment super intéressant. merci. C'est-à-dire, on ne voit pas le temps. C'est un convecteur spatio-temporel, hein, Twitch. On commence à parler, puis tout d'un coup, on se rend compte que le temps est passé. Mais c'est normal, c'est parce que. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était. Ça dépassait largement même mes attentes qui étaient pourtant hautes dans l'idée de tout ce qu'on a discuté. Donc voilà, je trouve que tu connais ton sujet à fond. On sent que ça te passionne et c'est vraiment agréable à écouter. Donc un grand merci. Merci beaucoup. Mais c'était vraiment très très chouette et vous avez été adorable et c'était vraiment très très gai et intéressant. Donc, Bah écoute, écoute, en tout un cas, tout grand Sarah, merci moi et à bientôt pour une prochaine alors. Ah Oui. oui, voilà, et certainement et peut-être à l'occasion sur quelque chose de très spécifique, mais voilà. En tout cas, c'était intéressant. Merci aux gens dans le chat. C'était Merci à tous. vraiment merci pour les questions. Merci pour toutes ces questions. Ouais. C'était très Désolé, chouette. on n'a pas su toutes les prendre, mais voilà. De toute façon, on va rester, on va clôturer à notre aise. Donc voilà, on va dire au revoir à Sarah comme ça. On va enfin pouvoir la libérer. Et Ouais. vraiment, je te remercie, Sarah. C'était un super exercice et un très agréable moment. Donc Merci. Merci à vraiment, tous. vraiment super. Au revoir, Sarah. Merci pour Et tout. bonne continuation à tous. Et c'était chouette. Et continuez à interroger, à interviewer des gens comme ça et partager votre passion. Et c'est vraiment très important. Ah ben, ça fait Merci beaucoup. plaisir. Merci. Merci pour ce retour, Sarah. Salut, hein. Merci. Au Au revoir. revoir. Salut, Au revoir salut. à tous. Au Ciao, revoir. ciao.
Et donc, voilà, c'était vraiment super comme live. Elle est vraiment très très sympa, Sarah. Ouais. Et donc, demain, Donc voilà, oui, parce que c'est pas fini, les pour gars, en ceux qui fait. sont Hein, restés jusqu'au bout, c'était l'échauffement. C'était l'échauffement, ça. sachez que demain, il y aura au moins une question sur le live d'aujourd'hui. Au moins. Voilà. Et une de la fin du live. Non, elle était vraiment. Non, Elle a elle une était... connaissance. Qui... Enfin, je Ouais, veux c'est une dire. belle personne, exactement, Alain. C'est une belle personne et tu vois qu'elle... Enfin, tu vois qu'elle aime vraiment son truc, quoi. Elle le connaît sur le bout. Enfin, tu vois qu'elle elle creuse dans les sujets, donc elle s'arrête pas là où son taf lui Oui, dit de parce que là, il y a s'arrêter. plein de trucs où, enfin, je veux dire, la connaissance qu'elle a De de l'espace l'écosystème et du spatial, métier et ouais, c'est ça, tout, ouais. ouais. C'est voilà, l'impression effectivement d'avoir un petit côté derrière le voile du rideau de qu'est-ce que c'est l'industrie aérospatiale, et ça a l'air passionnant en fait, hein, clairement. Ah, coucou numéro 66, je t'avais pas vu passer dans le chat. Eh ben coucou. Alors donc, demain, quiz sur l'espace chez Matt. Ouais. Ça va saigner. Ensuite, jeudi. Alors oui, attends, le quiz sur l'espace, ce sera un quiz un peu, genre grand public un peu. Donc il n'y aura pas de calcul sur les distances Quel en troll. nanomètres pour aller jusqu'à Alpha du Centaure, j'en sais rien. C'est marrant, on l'entend plus, on l'entend plus. T'as vu, on l'entend plus, on l'entend plus. C'est comme si quelqu'un avait coupé son micro. Voilà, non, je te remets. Voilà, t'es de retour, Matt. Pas de souci. Je t'ai décensuré. Donc voilà, donc mercredi quiz grand public sans question impossible à répondre. Je lance un duel à futur immédiat. Le gagnant au classement reçoit une bière. Écoute, tenue. Tenue. Ce sera, écoute, avec plaisir. Je suis toujours partant pour un bon challenge. Donc, ensuite, jeudi, à partir de 11h30, on regardera. Attends, voilà, je me change un peu. On regardera le décollage. Bah, ce sera malheureusement sans Matt qui sera occupé. Il y a peu de chances qu'on le voit, puisque soit s'est déplacé à plus tard, et donc ce sera potentiellement sa chaîne de maths, soit s'est déplacé. C'est pas déplacé. Donc, la seule possibilité où Matt nous rejoint, c'est s'il y a un gros retard le même jour, ce qui est peu probable. Ouais. Et le vendredi, ce sera arrimage à la Station Spatiale Internationale et fête de welcome du nouvel équipage. Tout ça avec des confettis et du champagne. Hein, donc, C'est ça. et si on a Et du moi. bol, on raide dans le comité de concertation. C'est ça, il y a mercredi un super comité de concertation qui va être attendu, celui-là. Culture, sport, événementiel, tout ça. Donc ça, c'est vendredi. Ouais. Ça va être chaud, chaud, chaud. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas un raid? Alors, je sais que le raid, normalement, c'est give back et ça va en bas, mais si il est toujours live, je voudrais vous faire une. Alors, je vais vous envoyer chez The Funk Hunters. J'ai découvert tout un réseau de chaînes Twitch de DJ hip-hop hier soir. Je me suis régalé. Et du coup, bah, je m'étais dit que j'allais vous le partager. Alors, The Funk Hunters, voilà. Hop, comme ça. Et donc, messieurs, dames, je vous souhaite la bonne soirée. Bah, à demain chez Matt et à tout de suite chez The Funk Hunters. Alors. Donc voilà, ben, il n'y en a plus beaucoup dans le raid, mais c'est pas grave, là ça monte. Ah si, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ben voilà, on va arriver gentiment. On sera...